Salam alaikum, salam, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, salam alaikum la famille, on se retrouve pour ce live J-4 entre l'Algérie et le Cameroun, donc le match aller aura lieu à Japoma ce vendredi, je vous ai mis tout à l'heure une vidéo du stade de Japoma, donc un journaliste algérien a pu entrer dans le stade et pénétrer sur la pelouse pour qu'on puisse voir et s'enquérir de, de l'état de la pelouse, bien évidemment. Bon, après c'était assez rapide. Euh, voilà. Donc en tout cas, euh, voilà. Je vous souhaite vraiment une euh, bienvenue sur la chaîne, bien évidemment, à toutes ceux et celles qui sont là pour la première fois, pour la seconde fois, pour la dixième fois, pour la millième fois, pour la, le millionième fois aussi. Salam la famille Salam. Non, j'ai pas besoin de modo, d'eau. Je te remercie. Ça ira. Merci beaucoup. Salam la famille, salam alaikum la famille, oui j'ai vu le stade, j'ai mis la vidéo, je l'ai mis, elle est dans l'onglet communauté pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore vu, salam alaikum la famille, salam, 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 salam la famille, bah, il faut faire avec, c'est comme ça, il faudra s'adapter tout simplement et euh, euh, j'espère que l'endroit où ils s'entraînent... Euh, euh, en Guinée équatoriale, donc à Malabo, j'espère qu'ils auront la même pelouse pour pouvoir s'adapter et se préparer pour ce, ce match ô combien important pour toute une génération. Hein, parce que c'est. Pour une bonne partie de cette équipe, c'est la dernière chance de jouer à un mondial. Donc c'est important. Salam alaikum la famille, salam. Salam, Loris, salut. Exactement. Mais attention, remplaçant. Oui, bien sûr. Mais après, je pense pas que le Cameroun, c'est un... uniquement une seule équipe. Hein. Le Cameroun a beaucoup de bons joueurs. Il faut être prudent. Et puis, euh, comme dit, euh, voilà, faut, faut être prudent, faut être prudent. Et vous savez, des fois, il y a des joueurs, on dit qu'ils sont forfaits, et au final, ils sont là. Donc, euh, soyons prudents. Ça peut être euh, euh, une okay. tactique, comme on dit. Salam la famille. N'hésitez pas à liker, bien évidemment. N'hésitez hein. pas à liker, juste au-dessus. Allez-y à fond. Salam la famille. Salam alikom. Salam, 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 la famille. Salam alaykoum, Salam la famille. Salam. <coughs> Salam la famille. J'ai été au live du journaliste. La pelouse a été refaite, pas ah, ah, ok. Ouais. Plus important, c'est d'être prêt. Peu importe la pelouse, il faut être prêt, les amis. Euh, c'est, c'est surtout pour une génération. Hein. Est-ce que je fais Turquie, Portugal Je sais pas encore. En toute sincérité, je sais pas. Je sais pas et... Je sais pas. Je suis tellement concentré... Euh... Je suis tellement concentré avec l'équipe d'Algérie que... Donc voilà. Je reçois tes notifs tardivement ces derniers... Je sais pas, Youssef. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Salam la famille, salam alaikum. Bah, la pression monte. Hein. On a commencé à J-24, les amis. Hein. À J-24, on est à J-4. J'ai j été là tous les soirs. Inch'Allah, on sera là jusqu'au 29 tous les soirs. Oui, on l'espère, on l'espère surtout qu'on va continuer. Ça voudra dire qu'on sera motivé Et puis voilà quoi. Voilà les amis. On va attendre qu'il y ait un peu plus de monde qui se connecte, bien évidemment. Le temps passe très vite. Hein. Le temps passe très vite. On a hâte, bien évidemment. Faut pas non plus faire une totale fixation, mais euh, concrètement, il va falloir être fort. Voilà. Salam alaikum, s'Allah. Inch'Allah, euh, la qualif, euh, la victoire. Pourquoi pas aller-retour. Voilà, faut faire le plein. Faut faire le plein pour montrer qu'on a mérité euh, de se qualifier. Voilà. Après, pour ce qui est de l'avenir de l'équipe, on verra après ce barrage. Là, on se posera vraiment les questions parce que. Peu importe l'issue de ce barrage. La première question qui se posera après, ce sera comment va se passer l'avenir? L'avenir, c'est-à-dire euh, telle équipe euh, plus tard, que ce soit pour euh, euh, la Cannes 2023, la Cannes 2025, la Coupe du Monde 2026, les Jeux Olympiques 2024, les différents championnats du monde dans les sections, dans les catégories de jeunes, c'est très important. J'avais dit 21h ou 22h, un des deux, voilà. Maintenant, il faut être, euh, faut être prudent, il faut être prudent et il y a beaucoup de choses, euh... franchement, c'est. il y a tellement eu de retard depuis 2017, surtout depuis 2017, les amis, on accuse le coup, c'est pas facile. Évitez juste de répéter les messages, s'il vous plaît, je vous remercie. J'ai envie qu'on ait la Coupe du Monde. C'est maintenant ou jamais le Qatar, ça correspond à notre coach, c'est là où on réussit la Coupe. On l'espère, on l'espère, on l'espère, on l'espère sincèrement. Il y a des médias qui annoncent une gamme de forfaits. Les amis, mettez-vous en tête qu'il y aura tous les joueurs. Et s'il y a des absents, il y aura des absents. Salam la famille, salam alaikum. Salam Jibril, salam Sami, salam Amin. Salam Hamza, salam alaikum la famille, Raïban, salam alaikum. Donc voilà. La vidéo Laquelle Salam, salam, Malory, salam alaikum. Salam. Ouais, j'ai vu ça, j'y j'ai vu ça. Salam, Ousmane, salam alaikum. Vous savez, les informations, il faut être prudent. Ça peut être du bluff. Hein. Donc euh, moi, personnellement, tant qu'il n'y a pas eu le match, je n'ai pas confiance. Ah sur le stade ouais ouais je l'ai publié tout à l'heure bah là il y a pas y a, y a une heure une heure et demie je crois un truc comme ça hein. donc voilà le jumeau fait son retour quel jumeau ah d'accord bah je sais je sais pas et puis peu importe le le la, la, la société du pays en question qu'il les faite ça n'a pas d'importance. À eux d'être des hommes sur le terrain et faire plaisir à notre équipe d'Algérie. Bah ben oui, parce que peu importe le niveau euh, du joueur, peu importe le niveau du joueur euh, dans quelle division il joue, quand c'est un barrage de Coupe du Monde, le mec il va crever sur le terrain. J'ai pas de pronos, je veux juste qu'on se qualifie, c'est tout. Charla Ousmane, je l'espère, je l'espère de tout mon cœur. Salam Abdelaziz 4-3-3, ouais, ouais, 4-4-3. Ouais. 4-4-3, il n'y a pas un joueur en plus. Le nombre d'abonnés, ouais, je l'ai je l'ai masqué, je l'ai masqué. Je suis pas dans je suis pas dans la course aux chiffres en toute sincérité. Ça y est, je m'en fous. Je suis pas dans ça, il y en a, ils sont dans ça, il euh, y en a qui vont faire des vidéos aux titres racoleurs euh, aux, aux images qui peuvent attirer, euh, pff, ça m'intéresse pas. Je suis là pour parler football. Si mon travail est aimé des gens, il ben, y aura du monde. Sinon, tant pis. Quoi. Tout simplement. Je ne suis pas là pour plaire. Je suis là pour euh, vous faire partager ma passion du football, du football africain et surtout du football algérien et de l'Algérie. Je ne suis pas à la course des chiffres. Salut Habib. comment tu vas Ça va, tu t'es remis un peu de, de la défaite d'hier. Frère, tant que tu as tout le Flixbus. Exactement, dédicace à tous les chauffeurs. Flixbus. Dans toute la France, dans toute l'Europe, dédicace à tous les chauffeurs VTC. Euh, je sais qu'en ce moment il y a beaucoup de grèves à cause de la hausse des prix euh, du carburant. Franchement, je suis avec vous, je suis tout cœur avec vous. Alors, ben, voilà, voilà. Que Dieu soit avec vous. Que vous soyez musulman ou pas, je, je vous soutiens. Mais euh, je l'ai mis la vidéo. J'ai mis la vidéo sur euh, de Japoma. Euh, Nazim, je sais pas il y a... Je sais pas et puis voilà Je, je m'en fous quoi Tu as le CLM, de... le CLM à ton daron CLM aux anciens, enfin aux anciens Il doit être jeune, il doit avoir mon âge <laughs> 4-3-3 conservation pour jouer à la Guardiolaine Faire tourner le ballon, trouver la faille Et pousser le ballon dans la cage Dit comme ça, ça a l'air facile Ousmane hein Salut David et Tori, comment tu vas c'est si à drainer, ils sont chauds en ce moment. Tu vas exploser pour le nombre d'abonnés pour les barrages. Inch'Allah, je l'espère, je l'espère. Après, voilà, je me suis, franchement, je me suis fait à l'idée que cette chaîne, c'est surtout les Algériens qui sont attirés par cette chaîne. La preuve, on remonte, en, on remonte bien depuis que les barrages approchent. Sinon, il euh, y a eu un, un grand vide, surtout après l'élimination hein, de l'équipe d'Algérie. Voilà, mais je ne suis pas là pour le chiffre, je m'en fous. Je suis là pour euh, proposer un minimum de qualité. J'ai bien dit un minimum de qualité. Voilà. Le Real reste premier. Oui, oui, c'est le principal, Khabib. Le Real sera champion, Inch'Allah. Salam Rudy, Salam alaikum. T'en penses quoi de l'annonce sélection Je... Je préfère parler des joueurs présents. Ça sert plus à rien de parler des joueurs absents. On verra à la fin de ces barrages. On fera un bilan. Peu importe la, peu importe l'issue. On va reboter le même pour la deuxième place. Ouais, vous pouvez essayer, mais ça ne marchera pas. <laughs> Non, mais c'est bien, c'est bien. Le stade c'est il y, y a de la stabilité, c'est bien. Marez à l'expérience. Oui, Marez à l'expérience, après, il faut être solide. C'est la solidité. Hein. C'est la solidité qui te qualifie en Coupe du Monde. Plus performant que les perdis, Les quoi J'ai pas compris, G.A.D. Tu penses qu'il va mettre Benayada ou Atal Il vaut mieux mettre Benayada. Il est meilleur défensivement et surtout, Atal revient de blessure. Tu penses que nous pouvons gérer cette énorme pression vu que certains l'ont vécu, comme Slimani par exemple Bien sûr, bien sûr, c'est important. C'est important, on va en parler des joueurs qui ont participé notamment au, au barrage de 2013 déjà. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Rennes 15 3ème, ça me dérange pas. <laughs> L'abord d'attention. Oh là là là, ça rigole pas, David, ça rigole pas. Euh, ouais bon après voilà si si Red termine deuxième l'auront mérité hein, mais bon je je pense que l'OM va s'accrocher à sa seconde place le gars qui a filmé Japoma il y a des nouvelles de lui j'ai l'impression qu'il aura beaucoup de problèmes je pense aussi Tama je pense aussi de toute façon il nous fera euh... voilà quoi il bah, y a y a quelqu'un qui l'a laissé rentrer hein bah, voilà hein. Casri et Brown blessés ah il joue pas les deux matchs j'espère que tu vas bien ça approche très rapidement très stressé exactement Salam, Emina DZ Algeria Salam, alaikum. Salam. Attends le retour. T'inquiète, les niçois on va revenir. Allez, bonne chance. Martin est sorti de son terrier. Martin. <laughs> non, mais non, mais il faut arrêter avec les blagues. <laughs> <laughs> ah, Alhamdulillah, ça va monter, Ousmane. Ça va monter, ça va monter, le Inch'Allah. Ça va monter. Ça va monter. Rennes a une meilleure différence de but que le PSG. On n'est pas là pour parler de la Ligue 1, les amis. Hein. On est là pour parler des barrages de la Coupe du Monde. On est là pour parler de la. Justement, les amis, regardez. Alors, euh, je vais vous mettre. Attendez. Alors, on va parler du dernier barrage que l'Algérie a joué pour euh, la calife à la Coupe du Monde. C'était en 2014, parce qu'en 2018, c'était les groupes. Hein. C'était en 2014. Je vais vous montrer les deux compositions d'équipe des matchs aller et retour. Donc, ça, c'était au Burkina, les amis. C'était au Burkina, les amis. Voilà. Voilà. Ça, c'était au Burkina, les amis. 2013, le match aller. Voilà. Donc, euh... on a donc Yebda, Belkalem, Medjani, Mboli, Slimani, Bougera, Soudani, Fegouli. Mostafa Taider, Musber. Ça, c'était le match aller, euh, défaite 3-2 au Burkina. Avez-vous vous souvenez en fin de match le penalty gratuit donné par euh, par le coach Ils avaient de beaux maillots. Ouais, l'extérieur le, était beau, le, 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 la, le domicile n'était pas top. Voilà, donc ça c'était au match aller. Vous voyez qu'il y a Mboli et Fégouli quand même. Hein. Quand même, quand même. Il reste des joueurs. Non, c'était le match aller. Bouguera c'est au retour. À l'aller, c'est but de Fegouli sur une passe de Slimani. Et but de Medjani sur corner sur un corner de Tyder. Avec l'absence de Kazri et Brown, le Mali paraît qu'un énorme avantage, tu penses. Euh... Bah, Kazri quand même, offensivement, il apporte. Hein. Il apporte, il apporte. Donc voilà. Repose-toi Emine, repose-toi, repose-toi Et sois prêt pour euh, vendredi à 16h Repose-toi Kouya En tout cas merci pour l'information J'ai réussi à faire chauffer le chat Exactement David, exactement Donc voilà, donc là vous avez Regardez bien cette compo hein. C'est qui le numéro 2 à côté Le numéro 2 à côté d'Emboli C'est pas le numéro 2, c'est le numéro 12 C'est Medjani, Karl Medjani Carl Medjani les amis c'est Karl Medjani. Vous avez donc Yebda, Belkalem, Medjani, Mboli, Slimani, Bouguera, Soudani, Fegouli, Mostefa, Taider et Mesbah. Donc ça, c'était au match aller. C'est une équipe euh, très physique. C'est une équipe physique. Les mecs, ils s'arrachaient sur le terrain. Là, c'était euh, voilà, important. Je vais vous mettre euh, la compo ensuite du retour, les amis. Hein. Pour celui qui m'a dit l'équipe de maintenant est mieux, certes elle est mieux, mais euh, cette équipe là que tu as devant toi, si elle était là au si elle était là au match aller euh, à la Coupe d'Afrique, euh, elle aurait fait mieux que et ça c'est au retour les amis, ça c'est le match retour. Par contre le match retour c'est différent. Voilà le match retour, voilà vous avez la compo du match retour. Vous voyez qu'il y, aura... y, y a eu de la différence entre le match aller, le match aller et le match retour. Non, je t'ai pas bloqué, t'es en train d'écrire. Alors, au match retour, le gardien a été changé. C'était Zemamouche. Faouzi Roulem a remplacé Mesber. Mostefa est là. Medjani est là. Slimani est là. Bouguera est là. Soudani est là aussi. Koualed, qui a remplacé... Euh, euh, sur le côté droit, il a remplacé qui, au fait Il a remplacé qui euh... Au fait, parce qu'il a changé la compo d'équipe hein, à l'aller et au retour. Donc, Mostefa à l'aller... Il avait joué, je crois, arrière-droit. Parce que c'était Medjani et. Euh... Ouais, ouais c'est ça. C'était Bel... ah, ouais, Belkalem, Bouguera dans l'axe, Medjani à droite et Besma à gauche. Donc là, du coup, on a euh... Donc Zemamouche, Roulem, Mostefa, Medjani, Slimani, Bouguera, Soudani, Khualed, Fegouli, Mehdi et Yassine Brahimi au retour. Vous voyez que Be euh... Vaid n'a pas hésité à changer. un. Hein, 2, 3, 4, 5 joueurs entre le match aller et le match retour. Donc vous voyez que Vaïd n'avait pas hésité. Il n'avait pas hésité en même temps, il fallait réagir. Donc voilà. Royal, <coughs> derrière droit, Mostefa en 6. Je parle du match aller, Walid. Je parle du match aller. Le match aller, Walid. Je parle du match-aller. Walid, ouais, pas match-retour. Il faut y écouter avant. Il <laughs> faut d'abord écouter le début. Je parle du match-aller. Le match-retour, oui. Le match-retour, Jualud était à droite. Roulem était à gauche. Dans l'axe, c'était Medjani Bouguera. Au milieu de terrain, on avait Mehdi Lassen. Fégouli. On avait euh, Mostefa. Et devant, on avait bien évidemment... Euh, Slimani et, euh, et Soudani. Hein. Voilà. Est je te... Grâce à Ennis. Merci, t'es la bienvenue. Ouais, exactement, Walid Exactement. Mais je parlais du match aller d'abord. Hein. Là, je je parlais du match aller et après je parlais du match retour. Donc Vaid n'a pas hésité à changer 5 joueurs. Hein. Après, l'équipe a un peu changé durant les éliminatoires aussi. Hein. Donc vous voyez l'importance de donner un souffle nouveau entre l'aller et le retour. Parce que sinon, on risque de rester sur un acquis. Il a pris un risque à enlever Mboli, tu trouves pas. Il a pris un énorme risque, les amis. Énorme risque en mettant Zemamouche. Eh ben, vous savez quoi? Le Burkina n'a pas réussi à tirer au but. Il faut que j'essaie de me rappeler combien de tirs. Mais c'était très très maigre. Tout simplement parce que l'équipe a défendu comme des guerriers. Et pourtant, enfin, c'était Burkina, énorme équipe, les amis. Hein en 2013. J'ai trouvé, Belmadi, dépité en conférence, ça doit être dur de travailler au milieu. C'est pas facile. C'est pas facile. Il y en a beaucoup. Euh, Yebda, j'ai pas trop aimé à l'aller. Walid, hein. ouais, j'ai pas aimé à l'aller. Voilà, Yebda, il a pas fait un bon match. Pour moi. Hein. Il n'a pas fait un bon match à l'aller. C'est pour ça d'ailleurs. En plus, il est. Voilà quoi. Un peu fautif sur euh, le second but. Salam Lydia. On s'est pris une transversale en toute fin de match. Euh, un poteau tu veux dire et c'est euh, Soudani qui a failli marquer contre son but. Salam Shallah, on l'espère. Tu penses que la Tunisie peut battre le Mali Vous pouvez les battre comme ils peuvent vous battre, c'est du 50-50. Donc euh, on vous souhaite bonne chance en tout cas. On souhaite bonne chance à toutes les équipes. Les incompétents, exactement, exactement. Exactement. Je suis tout à fait d'accord, Farouk. Ouais, ils jouaient beaucoup. Mais ils ont été solides, hein. Ils ont été solides, hein. Bouguera, Medjani, Mehdi Mostefa, les amis, ces, ces joueurs-là au milieu. Ouais, c'est... C'est vrai, on n'a même pas le drapeau sur le maillot. C'est un scandale quand même, hein. C'est un scandale. Je suis content du changement, il faut essayer... De... Ouais, exactement. Tu penses que Belmadi devrait prendre le même risque au retour changer de gars non, 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 non. Là, franchement, non. Là, franchement, non. Pourquoi tu veux que Belmadi reste en cas de défaite? Comment peut-on continuer à accepter les débla débâcles Ouais, donc tu, tu sur deux mois, tu l'élimines et pendant trois ans, euh, il a remonté le, le. Il a redoré le blason de l'Algérie dans le monde entier. Donc tu l'enlèves. Je te rappelle que les mêmes joueurs, pratiquement, n'ont rien foutu avec les entraîneurs euh, juste derrière. Hein. Que ce soit avec euh, Gourcuff, avec euh, Rajevach, avec euh, Alcaraz, avec Madjer. Avec euh, euh, Leekens, voilà, faut... voilà, il y a un moment où il faut se reprendre un petit peu. Hein. Donc voilà. Vous avez vu d'autres nations avoir le drapeau sur le maillot, je crois pas retirer d'importe quoi. Non, il y a des équipes qui ont le drapeau sur euh, leur, 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 leur maillot. Et je trouve que c'est une belle chose de l'avoir. Il sera diffusé sur quelle chaîne Ouais. Euh, sur quelle chaîne euh, L'équipe 21. Il faut vivre l'actuel et pas dans le passé. Ouais, c'est le passé qui a fait l'actuel. Hein. On serait pas là, hein. on n'aurait pas un match retour à domicile hein, en barrage de Coupe du Monde. Je te le rappelle. Oh, tu sais Martial, euh, tu sais les, les rumeurs dans... quand il y a des barrages de Coupe du Monde, il faut être prudent. Il faut être prudent. Il faut être prudent, donc euh... faut faire attention. Faut faire attention, les amis. Donc voilà. En tout cas, euh... en tout cas, ça promet, ça promet, ça promet, ça promet, les amis. Hein. Ça, 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 promet d'être deux combats acharnés. Ce sera un énorme match. Et euh... voilà, c'est. Faudra faire avec. Sans le travail de ma gerbe, elle m'a dit. Heureux. Bon, vas-y, vas-y, tu sais quoi, je te dégage directement. Parce que je t'ai senti Avec je t'ai pas senti dès le départ. Oh là 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 là. Joachim Lowe des champs, ils sont restés des années, même avec les échecs. Exactement. 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 Zambogissa Ouch je pense que c'est une mauvaise nouvelle pour nous. Sam Khalid, semaine cruciale. Inch'Allah, vendredi soir, la victoire et la fiesta. Euh, la fiesta, tu la feras mardi soir surtout. Voilà comme aikub, sablé ça va ou quoi Comment ça se fait On te voit pas aujourd'hui. Non, vous inquiétez pas, vous allez me voir. Franchement, les observateurs des aides ils veulent tous voir Ben Lamri titulaire, mais ils sont avec. Moi je le mets titulaire parce que je vois pas qui tu peux mettre à sa place. hein Et je sais qu'il mettra pas tout bas. Je le sais. Moi je préfère tout bas mais après je sais qu'il va mettre Ben Lamri. Il y a une personne qui écrit en arabe en disant, Inch'Allah, vous perdez. Euh. C'est lequel le message, il est où le problème c'est que je, je ne lis pas l'arabe. OK, bah Cheima Cheima euh, voilà, fous-moi le camp. Oh, même 5-0, on sait jamais hein. La Fema Foot a fait honte au Mali, ils ont déclaré à la presse discuter avec Dembélé à la Sainte-Pléa pour les ramener en EN. Les joueurs ont démenti. Oh là 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 là. Aït été nourri à refuser l'équipe espoir. Ah bon je vais tirer à la carabine pour chaque but. Exactement. Il faut absolument marquer à l'extérieur des... les buts comptent double. Touba m'en dit, c'est mieux, mais l'expérience compte donc Ben Lamri. Pff, je sais pas, moi je. Personnellement, moi je vous le dis, hein, si on avait des bons défenseurs, euh, Ben Lamri, c'est comme Boonjah, hein, je ne le convoque plus. Hein. Moi je voudrais vivre le Qatar à travers tes vidéos live. Je l'espère, Inchallah Ya Rabbi, je l'espère. Donc voilà. Donc voilà. Walid euh... Tranquille hein, tranquille, chacun est libre, hein, chacun est libre, ne dis pas, hein. Vas-y Molo, vas-y Molo mon frère. Ça va Malikoum, frérot, j'espère qu'on va passer vivement une Coupe du Monde avec plus de pays africains. Ouais, mais ce sera plus le même format. Bah déjà, euh, la prochaine Coupe du Monde, hein. On aura 48 équipes. Hein Alors tu as vu l'état de la pelouse, mais j'ai vu, j'ai mis la vidéo sur mon onglet communauté. Bah. bah faut pourquoi on lui pose pas la question si on rentre dans le technique. Pourquoi pas tout bas à la place de Bellamri ah euh, bah ouais qu'on lui pose la question, effectivement. Tu m'as que j'étais détaché de la montagne et n'oublie pas trois martyrs. Je pense que Major sera content si on se qualifie pas. C'est une réalité, hein. C'est pas des conneries, hein. Tous les barrages que t'as dû connaître aussi, c'est laquelle qui t'a le plus marqué Les amis, on n'a connu qu'un seul match de Enfin, on a connu qu'un qu seul euh, qu'une seule confrontation en barrage. Hein. L'Egypte c'était un match d'appui, mais le oui le match le plus intense c'était contre l'Egypte, bien sûr, mais le match contre le match contre contre le Burkina c'était pas mal non plus. Le fils Amadjer il donne quoi MDR ça fait longtemps? Je sais pas, il n'existe plus. Il a quand même dit que Belmadi était son élève. C'est un crime contre la contre l'humanité, ce qu'il a dit. Le de la fédération espagnole de football va faire un coup de main pour les... la FAF, pour les binationaux. Pour les bi... c'est-à-dire, c'est-à-dire euh, David. Donc voilà. Tu as vu la déclaration de Marais j'en ai lui demande en revanche, à prendre un Japoma. Marais répond on s'en fout de Japoma, moi même <laughs> Non, tranquille, Chetoui. tranquille, 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 tranquille. Tranquille. Au pire, tu prends ton Flixbus et... Et, et, et tu l'écrases et c'est bon. Non, je rigole, c'est une blague. Sans Bounjah, l'équipe sera positive et motivée. Salam alaikum. Moi, je convoquerai la place Benlamri. Non, non, non. Si tu veux pas te faire éliminer, ne me convoque pas. Franchement, les gens, faut arrêter de parler de pelouse, de conditions. C'est la même pour les deux équipes. C'est un match qui se joue sur le mental et surtout sur l'envie. Il a bien parlé, Marès. Exactement. Exactement. On s'en fout, Hayat. Il faut pas les calculer. Les amis, calculez pas la merde, s'il vous plaît. Je vais voir ta tête d'œuf, elle est où Allez dans ton réfrigérateur, si tu veux une omelette. Euh, J'ai lu ton message, Rouya, évite juste de spammer s'il te plaît. Non, il le mérite. Mais bien sûr qu'il le mérite, mais je t'ai dit, je t'ai donné une solution, Hamza. Ben Lamri, un crochet, il n'y a plus personne. Bah ben, il y aura Mandy, j'espère, derrière. Salam Mafia Cafri. ça va s'il joue. C'est vrai. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre euh... Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme photo maintenant Donc ça, c'était les amis. Je vous ai dit, hein, il faut marquer, peu importe la manière, les amis. S'en fout de la manière. Hein. Le ballon, il doit juste rentrer. Le ballon, il rentre. C'est tout ce qu'on lui demande. Le ballon rentre, classe. Comme c'est le cas là avec Bouguera c'est vrai que sur la vidéo, vous avez l'impression qu'il a marqué de la tête, mais au fait, non. Euh... On lui a tiré sur la tête, elle est rentrée. Qu'on nous dise pourquoi un mec qui joue en CFA à Lyon, qui joue dans un championnat de merde, soit titulaire à la place d'un mec qui joue en Europe et qui a refusé la Belgique. Je veux savoir pourquoi. Moi aussi je veux savoir pourquoi. Moi aussi j'ai envie de savoir pourquoi. Je suis au Cameroun, les gars, il fait très chaud vers 17h. C'est à 18h le match, mais bon, ça doit pas changer grand chose. Hein. On a confiance entre. entre on a confiance à notre équipe nationale. Inch'Allah, mis à part Marès, si tu vois, un autre joueur dans un grand club d'Europe. Euh, Benasser. Benasser, Benasser, largement. Ah, je suis en plein rappel historique, mon ami Rafou. Exactement, oui, il m'appelle tonton maintenant, Raf, ça y est, ça y est. C'est vrai que j'ai presque 10 piges de plus que toi, mais quand même. <laughs> je sais, on ne me voit pas, Ne t'inquiète pas, vous allez me voir. Vous allez voir, à ah, ce jour-là, les amis, les amis, la... imaginez le farha, enfin la, 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 la joie que j'ai eue lors de ce match-là et de cette calife au, en Coupe du Monde, les amis, c'est tout simplement, c'est... Parce que c'était le pays du foot, les amis. C'était le pays du foot. Se qualifier dans le pays du foot, c'est tout simplement euh, énorme. Au lieu de désinguer les journalistes par nous, technique pour Abel -Marie et pas tout bas. Vas-y, bah nous, si t'étais euh, journaliste, je sais que tu as reposé la question. Rami à Manchester. Oui, Rami Bensebaini aussi. Qui a encore euh... ouais. Ton moment le plus magique, 2009 ou 2013 Non, non. Euh... En fait, la, la, la joie de 2009, elle est indescriptible. Mais la joie aussi quand on s'est qualifié contre la Russie pour les huitièmes de finale. La vérité, c'est un truc de malade. Qu'est-ce que tu penses de Belalî à Brest Belaïli joue dans une équipe qui n'est pas appropriée à son jeu. Mais ce qui est bien, c'est qu'à Brest, il va défendre. Il va apprendre à défendre. Salam On verra où ça va. On verra où ça Tu vois tout le monde est pour la défaite de l'Algérie, Mikhaïd, soit patient en plus, c'est long plus. Exactement, exactement. Exactement, c'est ça le plus important. Euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre, les amis hein euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre Voilà, moi, les amis, j'ai envie de revivre cette joie de la qualification à la Coupe du Monde. Elle nous a manqué depuis 2013. Je vais même vous mettre une photo qui, euh, franchement, cette photo, euh, je l'oublierai jamais. Elle était superbe. Hein c'est cette photo-là, les amis. Hein. Voilà, celle-ci, les amis. Cette photo, elle est magique. Elle est tout simplement magique. Elle est magique comme magique qui est sur l'écran. Et franchement, on espère vraiment se qualifier à la Coupe du Monde. Voilà. Cette, cette joie, tout le peuple algérien était vraiment heureux. Et surtout parce que... On s'était planté à la Coupe du Monde 2010, on n'avait pas marqué un seul but. On s'est fait encaisser que deux buts, mais ça restait une prestation euh, euh, faible. Et euh, on se disait, mais 24 ans pour ça Ouhamdoulilah, va y venu, il a changé l'équipe à 90%, 95%. Ouhamdoulilah, on a fait quelque chose d'énorme. Et on n'oubliera pas, on n'oubliera pas. Et on souhaite revivre cela. Ah, Zinou, bah <laughs> On n'oubliera pas ce que t'as dit <laughs> Ouais, je me souviens, ouais, contre la Côte d'Ivoire. Ouais, ouais. La photo la plus spectaculaire, c'est celle de Carl de après la fin du match. Ouais, pas la photo, tu veux dire la vidéo Bouguera, c'est un moment lors de tous les matchs elle diffuse les matchs au quartier à Dijon. Ah, c'est bien ça euh, Les amis, vous pouvez me traduire le message de Aïcha, s'il vous plaît. Parce que le message est en arabe et je lis pas l'arabe. Si ça vous dérange pas, je vous remercie. Salam alaikum Rouya Salam. On prend le pied de Bounjer pour marquer. <laughs> Viva Espana pour toi, Russicada. Attends, mais j'ai pas lu ton message au en fait. Attends, j'ai pas lu. Attends. Les problèmes qu'il y a eu entre la Fédération espagnole et la FAF pour les Binationaux général Espagnol, Fédération Espagnole a mis de l'eau dans le vin. Ah, d'accord, ok, 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 ok. Ben, je vais, je, je, verrai ça. Je verrai ça. Inch'Allah, ya Rabbi. Amin, 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 la famille. Ah, Amin, Amin, Amin. Merci beaucoup pour le message. Euh... Aisha, merci beaucoup. Je ne lis pas l'arabe, je suis désolé. Elle a dit Amin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, la famille. Somhouli, je ne lis pas l'arabe. N'hésitez pas à liker, la famille. N'hésitez hein. pas à liker, bien évidemment. Bien évidemment. Allez, on va aller. Attendez, ça, c'était le titre d'un journal. On espère voir le même le mercredi euh, mercredi 30 les amis, Mercredi 30, inshallah, j'espère voir la une des journaux de la même manière comme ça. Tout simplement. Je le souhaite. Voilà. Voir ce genre de de publication les amis, je le souhaite de tout mon cœur. Je vous le dis la vérité. Belbadi mérite cette calife, les joueurs la méritent aussi. Ouais, il n'est pas sélectionné, le lot 71, mais par contre j'ai dit c'est l'Algérie se qualifie, je fais ma barbe en vert. Ça fait longtemps que pas eu la boule au ventre à cause d'un match. Ah bah oui, mais là c'est plus une boule, là c'est une planète. C'est une planète, mais pareil, Medjani en défense centrale, c'était aussi éclaté. En défense centrale, mais il a, il a fait le boulot euh, contre... Le... Tu sais que le Burkina, c'était l'une des trois meilleures équipes en 2013, et le Burkina n'a pratiquement pas réussi à tirer au but. Hein. Je te rappelle qu'on avait Zemamouche au but, hein, au match retour. Hein. Allez, c'était Mboli. Il a fait son boulot. Mais à, en 6, il était énorme, Medjani. Ouais, Rani, elle est nulle la blague, mais c'est pas grave. Chenov, Chenov, il a, a pas un carrefour à Chenov, euh, à football. Chenov, il n'y a pas un carrefour. Salam teaser, salam alaikum. C'est un système solaire carrément. En Sentinelle, c'était pas mal. Ouais, Mostefa aussi, hein. Mostefa euh, Au milieu de terrain, c'était intéressant. Après, à droite, il avait quand même empêché... Euh, euh, hasard pendant la coupe du monde il, putain, il lui a fait la galéré hasard hein. quand même il faut dire la vérité emboli hein. était blessé au retour emboli était sur le banc les amis hein. un joueur blessé n'est pas sur le banc rappelez-vous de la prestation d'emboli notamment sur le second but hein. ah non le second but est même le le premier but aussi hein. pour moi il est il est fautif hein. il est fautif donc voilà Certes il avait arrêté un pénalty Et sur le second pénalty euh, Il se loupe Roulem au niveau de Benzemaïni euh, Roulem à son top niveau Il met Benzemaïni sur le banc de 10 ans C'est bien tu as maigri Mais garde un peu de graisse Pour tenir pendant le ramadan Non normal t'inquiète pas Avec euh, Quand le ramadan terminera On reprendra un petit peu Non je plaisante Donc euh, voilà j'ai trouvé Belmadi plus cool et par contre, les joueurs sont déterminés. Je crois que ça va être un match historique. Je le souhaite. Je l'espère. C'est travail... euh, Non, c'est... J'ai lu. Bounj... Euh, Gay Durag, sera sera enfant pour le mettre en deuxième numéro 6 avec Zeroki. On va voir. On va voir ce que ça donne. Mondial 2014, j'ai regardé avec Algérie, Russie, à Bodrum. Que avec des Russes autour de moi, je peux te dire que quand c'est qualifié, j'ai fini de... <laughs> Ah ouais Ah ouais Ah ouais Ah ouais dans la piscine et tout. <laughs> ben Sebani, il est au-dessus, il va te le prouver, Russie. Moi, je te réponds en toute sincérité, Roulem est au-dessus, au à son top niveau. Hein. Il, est, il le met sur le banc, je suis désolé. Je suis désolé. Ben Debka, il a le niveau de débuter il pourrait. Ah, vous étiez tous là, -bas, Zinou Bien, 2014. Moi, j'étais au Bled, hein, 2014. Ah non, pendant la Coupe du Monde, j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais à la maison. Elle m'a dit à 17 après, et là, on, nous sommes tombés, c'est là où nous allons. Oui, 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 exactement. Exactement. Pourquoi Doura, il n'est plus appelé euh, Aucune idée. Bon courage, oui, bonne journée. Roulem était derrière Marcelo, et c'est toute une époque. Oui, il était dans les trois meilleurs. Mais c'était l'un des trois meilleurs Zinou, on peut dire la vérité. Hein. Roulem, l'un des trois meilleurs arrière-gauche du monde. C'est la réalité. Je te donne une info que personne n'a. Ah, Roulem était dans la liste élargie, son frère et un collègue à moi. Ah, bah c'est possible. Bah oui. Mais on espère. De toute façon, Roulem, il arrive en fin de contrat. Tout comme Unes à Naples. Ils peuvent... ils peuvent signer où ils veulent maintenant. Je pense que dit a montré une incertitude, un peu de perte de confiance. Non, c'est une, te... une technique pour... Euh... Pour... Euh... Comment dire pour euh, cacher ses cartes. Et c'est important, et il le faut, hein, il le faut. Hein. Il le faut, les amis. Il le faut, les amis. Euh, attendez, je vous montre euh, d'autres images. Voilà, pour revivre ce genre d'image, les amis. Hein. Ce genre d'image, les amis, euh, on ne peut pas oublier. Hein. Là, c'est l'une de mes plus grandes joies, les amis. Hein. L'une de mes trois plus grandes joies en tant que supporter. Hein. Les amis, j'oublierai jamais. Hein. Ah là, c'était énorme, les amis. Hein. C'était énorme. C'est pour ça qu'il faut revivre ces moments-là et on le souhaite à Belmadi, à toute cette équipe. De revivre ce genre de moments. Et c'est important. C'était l'un des meilleurs trois au monde à son prime. mais' n'aurait jamais vu le poste d'arrière-gauche et n'était pas blessé. Mais exactement, c'est ce que je dis aux gens. Tu l'as vécu, comment la CDM sur l'Algérie De toute façon, c'était une Coupe du Monde de merde et c'est tant mieux qu'on ne l'ait pas joué. Non, je plaisante. J'aurais aimé qu'on la joue, mais bon. Vous savez. S'il n'y avait pas les merdias, les amis. Les merdias en Algérie. Parce que c'est eux qui ont fait partir Vaïd. Le avait proposé un contrat de 8 ans à Vaïd. Donc, de 2014 à 2022. Et il y avait une énorme marge de progression. Vaïd l'avait expliqué. Les amis, on aurait remporté des Coupes d'Afrique. Et on serait allé au Mondial Brési euh, russe. Et quand on voit le niveau qu'il y avait au Mondial russe par rapport à celle du Brésil. Ah, franchement... Donc voilà hein. C'est important C'est important Non mais Oui teaser contre l'Egypte Oui mais Oui j'ai dit l'une des trois L'Egypte je pense Oui c'était euh, Je pense c'est le premier C'est le premier Parce que c'était une attente euh, Il y a eu la décennie noire C'est beaucoup de paramètres Qui font qu'on était énorme Donc euh, voilà On reste sur tout humble et déterminé Bien sûr Le niveau des journalistes C'est vraiment grave eh Ben c'est sûr Tactiquement, c'est zéro. Bah, un, un, un coach tactiquement zéro qui arrive à ce niveau-là. Mais tu sais, ce c'est pas une question de tactique hein, des fois. Hein. C'est que, une question de combativité et de volonté. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais les gens, ils oublient. Et surtout, le niveau qu'on a montré contre le Brésil, je, contre le Brésil, contre l'Allemagne, je demande à n'importe quel coach qui est passé par l'Algérie de faire pareil. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité, les amis. Les amis, à aucun moment on a été fatigué contre l'Allemagne. On n'a jamais été fatigué ce pral là 120 minutes contre la meilleure équipe du monde, et on a failli les battre. Il nous manquait un neuf. On avait déjà le problème de neuf à l'époque. Par contre, ce que je regrette, c'est que Vaïd, durant la prolongation, il aurait dû faire rentrer Nabil Riles. Il aurait pu faire quelque chose. Malheureusement, il l'a pas fait. euh pas carbo 93 tu tu parles de quoi j'ai pas compris là Ils sont remontés ouais Oui, il y a toujours une grosse rivalité avec l'Égypte bien sûr. Les Russes, ils ont gagné la... ils vont gagner la Coupe du monde. Ah, ouais, c'est pas bien de rigoler sur ça. Hein. Pendant la conférence, Belmadi a fait comprendre qu'il allait partir quand il a dit ça ne va pas tarder. Bah, ça peut dire deux choses hein. Ou il va pas rester, ou alors c'est ce genre de questions et on fait rentrer des, 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 des pseudo journalistes dans les conférences de presse. Normalement les amis on fait pas rentrer n'importe qui. N'hésitez hein. pas à liker la famille, merci beaucoup. Merci beaucoup la famille. En même temps contre l'Allemagne il n'y avait pas de mec du golf et ça d'ailleurs. Si, bah ben, il y avait Bouguera, mais il était remplaçant. Ah il y avait Belkalem il était en Algérie. <laughs> ouais mais ils avaient fait le boulot, ils avaient fait le boulot. Ouais c'est sûr que voilà. Merci beaucoup David et bonne chance au stade rennais. Hein. Bonne chance, il faut du bon boulot. Pourquoi on ne te voit pas Vous allez me voir, les amis. Soyez patient. Ce match, on le perd contre l'Allemagne à cause de Roulem Fégouli. Non, on le perd parce que c'est un manque d'expérience et c'est aussi euh, un, un numéro 9 qui marque. Un numéro 9 qui marque, les amis. Y a, on n'avait pas un vrai 9. Voilà. Belmadi a donné le nom de certains journalistes à la FAF pour ne plus laisser entrer. Mais je l'espère parce que je suis désolé. Hein. C'est Bzef, Bzef. Donc voilà. Donc euh, voilà, Donc, je, je souhaite vraiment que Belmadi vive ce, vive ce genre de moment euh, en Coupe du Monde. Voilà. Voilà, c'est important. Maintenant, il faut parler aussi du rôle du président de la fédération. C'est super important, les amis. Hein. C'est super important. C'est bon après juste pour parler encore de voilà pour parler de 2000, euh, 2014 les amis on avait quand même un, un staff technique et notamment vous avez euh, à gauche euh, celui qui, qui se met le doigt dans la bouche c'est Cyril Moine hein. excellent excellent préparateur physique les amis hein. c est, c est, c est... ils ont fait du boulot ils ont fait du bon boulot ils ont fait du bon boulot. Enfin, Vaïd était soutenu par son... non, non seulement par le président de fédération, mais aussi par le staff technique. Et ça, c'est très important, les amis. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Je vous le rappelle. C'est très important. Tu ne peux pas avoir autant d'occasions contre l'Allemagne sans marquer un peu comme à la canne. Ça va être très dur, Khalid, mais c'est très stressé. Ouais, ouais, bah Oui, c'est aussi quelqu'un qui a promis une voiture aux joueurs algériens qui marqueraient contre l'Allemagne. Je m'en rappelle, pendant les cinq dernières minutes, tous les joueurs se sont mis sur l'offensive, quitte à encaisser un troisième. Exactement, exactement. Et ils ont marqué. Ils ont réduit le score. Donc voilà. Donc voilà. T'as vu la vidéo du journaliste un japoma tout à l'heure Ils lui ont dit, tu, tu viens voler en parlant de la pelouse après. <laughs> voler quoi Voler un morceau de pelouse. Tu veux un retour de valide Non, non, pas du tout. Non. Quand je vous montre ça, les amis, je veux que Belmadi travaille dans les meilleures des conditions. Qu'il ait un, un staff technique compétent. Et euh, un président de fédération. J'ai beaucoup de choses à vous informer. C'est-à-dire, khil là CDF. Khil, Moi j'ai de penser au match trop stress. Exactement, exactement. Ah ben, ça c'est sûr. Hein. Ça, c'est sûr. Attendez, je vais vous montrer une autre photo qui est parlante. C'est pour vous. Là, quand je fais je fais un parallèle pour pour l'avenir, en fait. Hein. Pour l'avenir. Euh... Parce que moi, moi, je moi je vous le cache pas. Hein. Ça va choquer des gens. Même en cas d'élimination, je suis pour le match de Belmadi. Les amis, j'ai du mal à voir Amara tenir, euh, euh, tenir Slimani et Belmadi de cette manière. Vous comprenez Voilà, c'est important. Depuis le départ de qui, écrit De Zechi, tu veux dire Non, mais non, mais non, Roya, de... Depuis la venue de Zechi, c'est le bordel. Je suis désolé, hein. Vaïd a juste euh, caché l'arbre. C'est l'arbre qui cache la forêt, c'est tout. Il hein. Faut arrêter un petit peu. Comment tu vois les barrages? Inch'Allah, euh, on se qualifie. C'est tout ce que je souhaite. C'est tout ce que je souhaite. Les amis, il nous faut, il nous faut un vrai euh, staff technique et surtout un vrai président de fédération. Je, je suis pas là en train de vous montrer l'image pour vous dire euh, Raou Raoua doit revenir. Non, mais il nous faut quelqu'un qui soit compétent, les amis, pour sauver le football algérien. Parce qu'après cette génération, il va y avoir un vide, les amis. On se doit de le combler assez rapidement. Donc voilà. Je suis nostalgique euh, d'un point de vue... Euh, d'un point de vue Coupe du Monde. Euh, d'un point de vue... Euh, euh, les meilleurs joueurs ont ramené les meilleurs joueurs. C'est ça au fait. Donc voilà. Belmadi n'a rien fait au hasard lors de cette liste. Absolument rien. Tout ce qu'il a fait est justifié. On connaît 60% de ce qu'il se passe. Beaucoup de choix de Belmadi sont des choix hors sportifs. C'est-à-dire, c'est Zetchi qui a ramené Belmadi. Azo, c'est l'État algérien qui a cherché Belmadi. Je t'ai répondu Roya, c'est l'État algérien, c'est pas Zetchi. Ça c'est juste pour que tu le saches. Un retour de Madjer. Président de fédération, tu m'y mis quoi Khalid euh, Il faut que ce soit. Je peux te dire le profil, là. mais j'ai pas de nom en tête. C'est quelqu'un qui aime l'Algérie, quelqu'un qui aime le football. Quelqu'un qui soit un bon gestionnaire et quelqu'un qui soit un bon diplomate. Voilà. Tout simplement. À la CAN 2022, il y a eu énormément d'indiscipline de certains joueurs qui ont influé sur le groupe. C'est ce que je pense, au fait. Donc, la rumeur... Euh, la rumeur Bounjah, elle était... Elle était peut-être... Réelle. Chapitos Guzman, qu'est-ce que tu racontes C'était... Tu racontes. On n'avait même pas de président à ce moment. Ah non, qu'est-ce que je raconte Bah ben oui, on n'avait pas de président. On se comprend. Il a toujours été avec Belmadi, non. Mais par la suite, il n'avait pas le choix. Après, voilà, il s'est bien entendu avec le temps. Bunja, c'est du sportif, ce n'est pas le fautif, je sais pas. Je sais pas, après, moi je préfère pas me lancer dans les euh, rumeurs ou quoi que ce soit, mais c'est sûr que quand certains choix ne sont pas justifiés, c'est qu'il y a un problème qui est derrière. T'aurais fait quoi, toi, président de la FAF Si tu savais. Allez voir ma vidéo du 28 décembre, les amis. Ma vidéo du 28 décembre. N'hésitez surtout pas. Le seul où le pouvoir algérien a exaucé le vœu du peuple, c'est en ramenant, elle m'a dit exactement, exactement. C'est vrai, fera un bon président de la FAF. Oui, bien sûr, oui, Pourquoi pas Saïb ou Tasfaout Pourquoi pas? Pourquoi pas? Zechi, malgré ses défauts, il est mieux que l'actuel président. Roya, oh, yeah. si on est dans cette situation, le fait que, après cette génération, c'est terminé, c'est à cause de Zechi, justement. Samitajer, Adjer, c'est à cause de Zechi qu'on va se retrouver avec un vide. Pourquoi? Parce que dans toutes les équipes de jeunes, y compris les U23, il s'est amusé uniquement à prendre des joueurs de son club. Il faut dire la vérité maintenant. Je vous demande d'être sincère. C'est tout ce que je vous demande. Dans la diplomatie, le gars qui a beaucoup de connaissances UEFA, FIFA et la CAF, c'est bien Majer, sauf qu'il arrête. Elle est pas mal celle-là. Belmadi voulait que Zéchi reste. Oui, mais c'est parce que. Il faut que tu comprennes, Razzo. Il est arrivé, il a trouvé Zéchi. Zéchi lui a dit. Parce que Zéchi il a eu des directives. Zechi on lui a dit Tu te tais Faut dire la vérité C'est une réalité euh, C'est pour ça qu'il aime bien Parce que du coup il était vraiment libre C'est pas le moment de parler de la canne Oui euh, évitez Avec ce que j'apprends de jour en jour Je jugerai de moins en moins Les décisions de Belmadi, car Tout ce qu'il fait n'est pas rien Croyez moi s'il s'en passe des choses en dehors du terrain Mais ça j'en je, suis sûr et certain j'avais posé la question, les gens ils me disent non, arrête de lancer du rumeur. Je suis pas dans les rumeurs. C'est juste que on sait que il y a un certain moment. Je pense que le fait que Belmadi est très proche des joueurs, en plus Belmadi c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Il est Nia, il... il veut que les joueurs soient proches de lui. Mais voilà, un peu trop proche. Moi je pense qu'il faut toujours mettre une limite entre les joueurs et le coach. C'est important. N'hésitez pas à liker la famille, n'hésitez hein. pas à liker. Merci beaucoup. La seule chose de bien qu'il fera, ce sera de développer le local. Teaser, il fera rien du tout pour le local. Parce que même local, il va nous faire du régionalisme, Khoya. Oublie, oublie, oublie. Oublie. Qui reste où il est et... Voilà, je veux garder le souvenir d'un très grand joueur. Algérien et africain de l'histoire. Et qui a marqué le monde par sa talonnade. Je vais retenir ça, Khoya. Je, je veux garder... Madjer, c'était un vrai neuf, quoi. Enfin, il était sur l'aile aussi, mais c'était un, un vrai neuf aussi. N'hésitez pas à liker. Oui, dédicace aux 1700 supporters qui se déplaceront, les amis, euh, euh, au Cameroun. Madjer, dans les connaissances, il connaît tout le monde, même Fantino, avant qu'il soit président. Non, mais je sais qu'il a les connaissances, Walid. Mais le problème, tu le mets président de fédération. Belmadi, c'est terminé. Les joueurs euh, d'Europe, c'est terminé. C'est terminé, C'est un château de cartes, hein. Boum Un coup de vent. C'est vrai l'histoire avec Awar et son frère Ezechi et Belmadi. C'est quoi, moi je préfère rien dire. Moi j'ai entendu ça dans une vidéo de Abdallah. wallah oh, Allah Wallah Allah wa les amis. Anguissa est absent, c'est bon pour nous. Les amis, moi je suis sûr de rien. <laughs> ça peut être une ruse. Hein. N'hésitez pas à liker la famille, merci beaucoup. Bon, je vais remettre ma tête les amis. Juste un instant, je reviens. Ah oui, il faut se rappeler aussi euh, ce souvenir-là, attendez. Attendez, un souvenir que tout Algérien a dans sa mémoire. Les amis, les amis, les amis. En veux-tu, en voilà. Voilà les amis. Voilà, un souvenir parmi euh, c'est un souvenir inoubliable, les amis. Inoubliable. Qu... Franchement, le farha, la joie de cette période, de ce match-là, de cette qualification. Bon, malheureusement, après, ça s'est mal passé euh, en Coupe du Monde et même pendant la préparation de la Coupe du Monde, mais euh, c'était. Euh... On n'oubliera pas. On n'oubliera pas euh, ce moment-là. C'était énorme. Tu nous prépares un diapo aujourd'hui. Je suis en train d'en préparer en vidéo, Inch'Allah. Même si Rawrawa tu le mets président, va sauter Belmadi Wallah. Non, mais. Euh, Walid, oui, mais. Même pas Belmadi quand il a défendu matchard de Walid, j'ai pas dit que Rawa... J'ai pas parlé de Rawrawa. Je te parle de quelqu'un d'autre, à nouveau qui vient et qui a les, les compétences que je t'ai dit. Et même si c'est quelqu'un qui a pas encore les contacts au niveau de la CAF, au niveau africain, le plus important c'est qu'il défend à 1000%. Euh, voilà. Donc voilà. J'avais 8 ans, je m'en rappelle comme si c'était hier. Yo, t'avais 8 ans alors. Quel but magnifique. Ouais, ce match était un des plus importants car beaucoup de succès ont suivi et des joueurs. Le début de l'ascension Non, le début de l'ascension, il a commencé déjà avant. Hein. Je pense. Hein. Après, n'oubliez pas, il y a eu ce match-là, mais derrière, euh... heureusement que Vaïd est arrivé en, en juin 2011. Vaïd, hein. c'est qui les trois meilleurs buteurs d'Algérie en Coupe du Monde Bonne question. Bon, il y a Slimani, hein, il a marqué deux buts. Euh, Assad. Euh, bon, Coupe du, monde, euh, Coupe du Monde de 86, il n'y a que Zidane qui a marqué. Coupe du Monde euh, 82, il y a Madjer Belloumi qui a marqué contre l'Allemagne. Et Assad, il l'avait mis à doubler contre Chili, c'est ça Le troisième, je ne me rappelle plus. Ben Saoula, non J'ai oublié, j'ai oublié. J'ai oublié, les amis. Hannichel aurait été un bon président de la FAF. Exactement, mais il y en a qui te diraient non. Ah oui, Djabou aussi, Djabou les amis, Djabou, Djaboubou. Djabou la famille, Djabou. Ouais, mais les amis, vous voyez, hein, on parle de un but, deux buts, c'est un peu ridicule. Voilà, normalement l'Algérie doit se qualifier régulièrement en Coupe du Monde, les amis. C'est ta famille, la Ibelle on s'en fout, Hayati, on ne les calcule pas. Le, la réponse sur le terrain, Inch'Allah, Ya Rabbi. Ah. Donc, voilà, les amis. S'il vous plaît, les amis, évitez la politique, s'il vous plaît. Évitez la politique, s'il vous plaît. Voilà, après, vous êtes libre d'aimer euh, ou de ne pas aimer, mais juste respectez, les amis. Respectez, euh, c'est entre. Euh, c'est entre ces personnes et Arbuspano, c'est lui qui jugera, les amis. C'est lui qui jugera. C'est lui qui jugera la famille. Donc euh, voilà. Voilà. Donc euh, voilà, bah c'est tout. Hein. Je pense que c'est bon. On a fait le on a fait le tour de la question, les amis. Hein. On a fait le tour de la question. Maintenant, on va se diriger euh, clairement vers ces barrages de la Coupe du Monde. Ah oui, l'arbitrage, les amis. Il faut qu'on soit prudent. Les amis, il faut qu'on soit prudent. Regardez cette photo. Regardez cette. Regardez ce titre, les amis. C'est pas de la rigolade, hein. Ce qui s'est passé, c'était un truc de fou, hein. Attendez, non, il faut qu'on voit le. C'était pas mal, hein. Qui se rappelle, qui se rappelle les amis avec le penalty gratuit <laughs> Ah, c'est un truc de fou. Ouais. Ils ont voulu nous éliminer. Hein. Ah, heureusement qu'il la maintenant. Les mains derrière le dos, en dehors de la surface. Hein. Je vous le rappelle. Hein. Renard, il est le sélectionneur de Saoudite. Oublie. Mais qui a parlé de Renard, les amis Qui a parlé de Renard Salam, 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 Djaji, salam, Aiko. Sylvain, il n'y a pas photo de but de passe décisif. C'est le joueur qui a pris deux fois l'homme du match. ouais. Et surtout, on est passé en huitième. Hein. On est passé en huitième, surtout. Hein. Donc, voilà. Voilà, n'hésitez pas, les amis, à liker, surtout. Hein. Surtout, n'hésitez pas. C'est Monsieur Insolation, exactement. Ah ouais, ah ouais, bah celui-là, c'est Tarvit le salaud. Hein. Ah ouais, sont, ils sont sans pitié les médias. Ah ouais. Euh, Farouk, s'il te plaît. Évitez la politique sur mes lives, s'il vous plaît. C'est tout ce que je te demande. Il y a, y a des lives pour ça. Même avec la VAR, t'as des actions non vérifiées. Bah c'est ça le truc. Bon On l'a vu euh, lors du match contre la guinée quoi Mais on va pas revenir, les amis, à la CAN. La CAN, on oublie. Alors, faudra être prudent pour l'Afrique, pour euh, le l'arbitrage, les amis. Hein. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Hein. Parce que franchement, ça promet. Hein. Ça promet, ça promet. Donc euh, voilà. Faudra être des hommes, les amis. Des hommes sur le terrain. Psychologiquement, mentalement, physiquement. Ce match ne sera pas de tout repos. Mais euh... il faudra la mériter, cette qualification. Hein. Ce sera le combat. Il hein. faudra se battre pour ça. Et puis, euh... si tout se passe bien et que, si psychologiquement et mentalement et physiquement on est prêt, tout se passera bien, les amis. Tout se passera bien. Et bien évidemment, la dédicace, elle est surtout aux supporters, les amis. Les supporters, eux, c'est la base de tout. Hein. Ils seront en force lors euh, du match. Ils seront en force. Bon, ça, c'est l'image. Cette image, vous la connaissez, les amis. Hein. Cette image, vous la connaissez. C'est l'image des supporters algériens contre l'Egypte à Umdormen au Soudan. Voilà. Donc il y aura 1600, 1700 supporters algériens euh, au Cameroun. Pour soutenir l'équipe nationale. Bien sûr, au retour, le stade sera archi comble. Et puis voilà. Tihou, je sais pas, où y a. Environ 2000. Bah bon, on verra bien, on verra bien. En tout cas, ce match-là, c'était chaud. Regardez, il y avait l'armée. C'était chaud quand même, mais c'était une atmosphère un peu un peu bizarre, quoi. Un peu bizarre. Est-ce qu'on va avoir durant les matchs de barrage? Bien sûr que oui. Sinon, c'est les portes ouvertes. Hein. Ah, bah, sinon, c'est catastrophique. Hein. Ah, bah, oui, sinon, c'est catastrophique. Non, 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 c'est. Voilà. Donc, voilà, les amis. Donc, voilà. Ensuite, concernant donc, ces... ces barrages de la zone africaine, hein. je vous les mets en grand. C'est important, je vous les mets en grand. Voilà. Vous allez voir. Voilà, juste là. On fait ça comme ça. Voilà, on met un peu sur le côté. Tac, 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 tac. Et voilà. Donc là, vous avez les barrages de la Coupe du Monde. Hein. Donc Égypte, Sénégal, Cameroun, Algérie, Ghana, Nigeria, RDC, Maroc et Mali, Tunisie. Donc ça, c'est pour vous le rappeler. Hein. Vous rappelez que tout match sera difficile. Même s'il y a des favoris. Voilà. Après, je peux vous donner euh, les pourcentages. Merci beaucoup MLK Play. Merci beaucoup. Plus de Amri titulaire sinon, on se complique la tâche face au Cameroun. Ouais. Donc voilà. Donc là, après pour les pourcentages, moi je vais pas vous, je vais vous dire la vérité. Égypte Sénégal, c'est le match le plus compliqué. Pour moi, c'est 50-50. Cameroun Algérie aussi, c'est 50-50. Ghana Nigeria, je dirais 70-30. Le Nigeria, il se qualifie. Euh, Maroc RDC, pareil, 70-30 pour le Maroc. Mali-Tunisie, je vois un chouïa la Tunisie, je dirais 55-45. Mais euh, ça ne veut rien dire. Non, le nôtre, c'est pas le plus compliqué. Pas du tout. C'est le plus compliqué, c'est Égypte-Sénégal. C'est les deux derniers finalistes de la Cannes. c'est pas plus compliqué, ça. Et surtout, euh, atmosphère très spéciale. Kazery forfait. Forfait pour les deux matchs Espérons qu'ils ne nous disent pas la et ta chesse. Non, pas à ce point-là quand même. C'est vrai que Bunger a eu un mauvais comportement Je sais pas. Je sais pas. Je, moi je veux, qu se, je veux juste qu'on se qualifie les autres, je m'en fous. Bah oui, c'est vrai. Quelque part c'est ça. Hein. Il faut, il faut pas avoir la mémoire courte. Hein. Euh, Coupe d'Afrique, on s'est fait éliminer, on a vu ce que ça a donné. Donc voilà. Après, euh, c'est sûr que pour ces matchs-là, entre C'est compliqué, hein, C'est compliqué. Moi personnellement, je souhaite que l'Algérie se qualifie. Après, pour le reste. Euh... Et même ne demandez pas de pronos franchement, en toute sincérité. Euh... Voilà Tu es ravi de pas avoir Bunja dans l'effectif. Ouais. Ouais. Salam Ryan, salam alaikum. Salam. On avait battu triple vainqueur consécutif de la canne. Exactement, mais t'as vu ce qu'on a fait en Coupe du Monde. hein Zéro but. Il y a le but à l'extérieur, oui. Si Mani c'est un bonhomme, il va nous sortir de gros matchs à condition que le milieu de terrain tienne le coup physiquement. Exactement. Très énervé, très énervé contre cette liste, pourquoi bon, Moi il y a des choix que je comprends pas, oui mais... Je comprends pas mais j'accepte. C'est Belmadi qui, qui, qui décide. Inch'Allah Bounjar reviendra en forme comme en 2019 à la Coupe Arabe. Coupe Arabe, il y avait rien de spécial. Hein. Hein, je, vais, je vais retenir surtout sa passe D contre, euh, contre la Tunisie, mais il faut dire la vérité. On sentait déjà le... Si on se qualifie pas, ce sera vraiment un choc, mais j'espère que non à la qualification, Inch'Allah. Ah, on l'espère. Hein. Apparemment, Bounja, parce que le soleil, il a éché, <laughs> non, arrête tes conneries. Je voulais partir au Soudan, j'ai fait la queue à l'aéroport militaire de Boufari. Quand un officier m'a demandé si t'as fait la prison, j'ai dit non. Il m'a dit alors tu restes à l'Algérie, a besoin de toi. <laughs> en fait, ils ont envoyé que des sauvages ou quoi Belfodil, Guédura, tous les joueurs qui jouent en Tunisie. Ouais, tu, tu veux mettre qui à leur place C'est une question, Wanda, c'est une question. Belfodil, tu mets à la place Guedjura, tu mets à la place Et les joueurs qui jouent en Tunisie, tu mets qui Marès aura 35 ans en 2026, à à 35 ans, c'est mort. Non, non, mais les amis, euh, dernière Coupe du Monde, dernière chance de Coupe du Monde pour, euh, pour le Maroc. Hein. Pour, euh, pour Marez. Yassine, je suis pas dans ce délire. On est tombé contre qui on est tombé, et puis voilà. Si on se qualifie, c'est qu'on l'aura mérité. Surtout que t'as tenu parole pour les lives tous les jours. Ben attends, c'est pas terminé, c'est pas terminé. <laughs> c'est pas terminé. Mais oui, bah c'est sûr que là, oui, Inch'Allah, si on est en bonne santé, en vie, voilà, on est en vie et en forme, Inch'Allah, on va aller jusqu'au 29. Et puis ça va le faire. Zolken ben, bah... je sais pas. Je sais pas. Peut-être des cas disciplinaires. Hein. Peut-être des cas disciplinaires. Hein. Peut-être. Chandler fait écrire peut-être avec quelques changements, il y aura des surprises et des découvertes. Après, tu sais, il a convoqué des joueurs Belmadi à plusieurs reprises. Il a peut-être vu que ils... ils étaient pas encore au top. Hein. Belfodil, il est nul. Oh, Belfodil, il est... Il, est... il est meilleur que Neymar. Hein. <laughs> c'est quoi ce lapsus Non, je me suis trompé parce que je lisais un message. Il avait écrit Maroc. Donc euh, c'est pour ça. En plus, regarde, tu réagis, c'est que tu t'es senti visé, hein. machin Ah. Pourquoi tu fais pas de déplacement au Cameroun euh, je peux pas. Je peux pas. Si, si je devais faire un déplacement, ça aurait été à Tchaker. Mais bon. Le stade du Japoma a été refait. Quel est ton avis sur Bentaleb Je vois un beau trio avec Benasser, ben Bentaleb. Ouais. Bentaleb. Mais Bentaleb, il est pas là. Ben faut dire, c'est une merguez. Et s'il marque S'il marque, tu nous payes barbecue, hein. Les joueurs sont tous arrivés Ouais, ils sont tous arrivés. Les joueurs d'Europe sont arrivés en premier, ils étaient tous à Paris, ils sont tous arrivés en Guinée équatoriale. Je vous rappelle, euh, Guinée-Équatoriale, c'est un petit pays pétrolier qui a de l'argent. Euh, c'est un peu genre Luxembourg, un truc comme ça. Hein. Petit pays qui est juste à côté du Cameroun. Ils ont la mer et ils vont bien se préparer là-bas. Voilà. Tu penses quoi de Japoma Je n'ai rien à dire. J'attends le match. Zorgen était frustré de ne pas avoir joué une minute à la Cannes, surtout après son bon match contre le Ghana. Son bon match, oui, c'est surtout Zeroki qui a fait un bon match. Hein. Il était un peu en dessous, euh, Zorgan. Mais après, oui, en championnat, il fait de... Zedatka, pourquoi Mais Ryan, je t'avais dit, dans un barrage, tu ne peux pas chercher de... de nouveaux joueurs dans ce type de poste. Après, tu vas me dire, il a cherché un arrière-gauche de Tunisie. Hein. Je ne sais pas quoi dire, euh, Ryan, je ne sais pas. Moi, je pars du principe que tant qu'on aura une fédération pareille, on a... il se passera toujours des trucs bizarres. Tu as déjà donné ton avis sur l'absence de Bunger. Perso, je trouve que ce Ben Rahmas s'est mérité n'importe mais Ça m'a pas du tout surpris et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Et Ben Rahmas, je ne l'avais pas mis dans la liste aussi, mais j'avais mis Brahimi. C'est des bons équipements à payer assez développés pour faire notre stage. Oui, mais tout a été bien choisi. Hein. C'est Zef Zef qui a fait le déplacement et il a fait le boulot. Vous forcez avec C'est vrai que peut-être les gens... Euh... Des amis, à peine un joueur, il joue bien. Ça... Regarde, vous avez parlé d'Armoura, il a disparu, le pauvre. Il joue même plus. Arrête de mettre toujours sur le dos. La... C'est la fédération, Ryan. C'est la fédération, je te le répète. Et je le dirai toujours. Et c'est à cause de cette fédération et celle de Zetchi qu'on va se retrouver avec un trou après le mondial. Si on se qualifie, chers Un trou dans le sens euh... certains joueurs, voilà, à la moyenne d'âge sera trop élevée et pour rajeunir, euh... il n'y aura pas grand monde, tout simplement parce qu'on aura privilégié. Euh, des joueurs de, de, de certains clubs pourris et voilà. Tout simplement. C'est une égypte de Inch'Allah. On vous le souhaite, comme on souhaite l'Égypte de se qualifier. T'as vu, Belmadi, comme il a vieilli Ouais, mais même moi j'ai vieilli avec le DZ. Moi aussi j'ai vieilli depuis que j'ai commencé les vidéos en 2018. Les Camerounais, tu penses qu'ils vont résister à la pression de l'ambiance au retour de chacun Oui, oui. Enfin, ils vont résister. Euh... On s'en fout qu'ils résistent au public. Nous, on veut qu'ils cèdent face aux joueurs. Belfodil va marquer le On le souhaite, on l'espère. Hein. On l'espère de tout notre cœur. Hein. Avec grand plaisir. Hein. Mais ça sert à rien, il n'aura pas joué. Vous parlez de qui exactement euh... Donc voilà. Pour Zedatka, je suis d'accord, mais il faut bien débuter sur le continent à un moment ou à un autre. Bah après le, le barrage. Tu sais, il a peut-être cherché l'arrière gauche, la Wafi, mais il ne va pas jouer, les amis. Hein. Ben Sebaini va jouer les deux matchs. On va voir Cheveux Rose en Guinée. Ah euh, non lui de... ah oui j'ai oublié de vous dire c'est un pays euh, il parle espagnol hein, euh, en Guinée équatoriale pourquoi j'appelle pas des abonnés non je le fais plus c'est terminé bon, là j'ai des infos sur Zorgen que presque personne a et c'est peut-être à cause de certaines raisons qui n'est pas sélectionné en tout cas croyez-moi donc c'est en dehors du sportif c'est ça je crois que Belhamri qui va marquer Bah écoute, s'il marque, c'est très bien. Je vous ai dit, ça peut être un match où c'est des euh, défenseurs qui vont marquer. N'oublions pas, aller klaxonner à l'hôtel. Non, mais non. N'hésitez pas à liker la famille, on a 143 likes. Si on peut atteindre des 200 likes, ce serait super. Où seront logés les Camerounais Chez Eto, je pense. Du coup, pour le mondial, tu commenteras uniquement les pays africains, tu commenteras les autres aussi. Alors, Loris, je t'explique. Écoute bien, mon frère. Si l'Algérie se qualifie, Inch'Allah, et que j'ai les moyens d'aller au Qatar, Inch'Allah, je ne commenterai pas les matchs. Du moins, durant la période où je serai au Qatar. Par contre, je vous, je vous ferai vivre la Coupe du Monde sur place. Ce sera encore mieux. Et quand je rentrerai de la Coupe du Monde, je commenterai les matchs. Et là, par contre, je vais tout commenter. Je vais commenter les meilleurs matchs, les meilleures équipes. Je ne vais pas faire toute la Coupe du Monde. Mais je vais commenter les meilleurs matchs. Seconde chose, si on se qualifie Inch'Allah à la Coupe du Monde, mais que je n'ai pas les moyens. D'aller au Qatar pour la Coupe du Monde. Eh bien, je commenterai un très très grand nombre de matchs. Et pas uniquement l'Algérie. Et la troisième chose, je ne le souhaite pas. Mais si on ne se qualifie pas, je te cache pas, je ne sais pas quest ce que je vais faire. Mais je commenterai les matchs. Mais je serai euh, dégoûté. Mais je n'ai pas envie d'y penser. Pour moi, j'envisage les deux premiers. N'envisage pas de rentrer Car on ira au bout, Inch'Allah. Ouais ben c'est des... Eh hey, faut, faut les moyens les amis pour rester euh, toute la Coupe du Monde. Hein. Faut les moyens les amis. Hein. Zorgan s'est fait... Quoi Qu'est-ce que tu racontes Antonio Oui en dehors du sportif j'ai certaines informations. Quand j'ai découvert ça j'étais vraiment déçu de Zolgen Et si elle est au courant ça peut jouer. Mais ben, est... je sais pas. Je sais pas. Ben, si t'es au courant il est au courant. T'en fais pas on va gagner la Coupe du Monde. On se qualifie d'abord, les amis. Euh, arrêtez de vous enflammer. Euh, regardez à la Coupe d'Afrique, qu'est-ce qu'on a fait On s'est fait éliminer par euh, des paysans. Si on se qualifie pas, je regarde même pas la CDM. Tu la regarderas, Ruya. Tu la regarderas, fais-moi confiance. Parce que tu es là pour, pour aimer le football. Et pour les barrages, tu vas commenter que l'Algérie ben le problème c'est que les matchs ils sont pratiquement en même temps. Et je préfère me concentrer sur l'Algérie pour les barrages. Ça il faut dire aux gens d'arrêter avec Zorgen, j'aime bien le joueur, mais je m'en tape que Belmadi nous qualifie même avec Benam. Bien évidemment, on est d'accord à ce niveau-là. Si on se qualifie ça j'ai déjà lu. c'est pas vrai, Zorgen. les amis, arrêtez vos conneries avec vos rumeurs cheloues, là. Le problème, c'est que ces informations se liées à moi, pas aux médias, j'ai vu de mes propres yeux. Ouais bah euh, tranquille. Au pire, tu m'en parleras en privé. Des paysans, tes méchant. Ah bah c'est la vérité, hein Franchement, <laughs> faut dire la vérité. Moi j'avais fait déplacement au Brésil pour la CDM 2014 et après je me suis réveillé. Quoi? Ha <laughs> Elle est pas mal. Qui est devant T'es irrespectueux envers les autres pays, on n'est pas des paysans. Au revoir. L'Algérie va perdre, je pense. À la Cannes, les Algériens. Quand je parlais de paysans, je parlais de Sierra Leone et Guinée équatoriale. Hein. Pas la Côte d'Ivoire, hein. bien évidemment. Côte d'Ivoire, c'est une grande équipe. À la Cannes, les Algériens étaient fatigués à cause de la Coupe arabe. Euh... Mais qui était fatigué Ils n'étaient pas à la Coupe arabe. Il y avait juste 2-3 joueurs. Bida sera bien pour nous. Rappel en 2000, Cannes, au Nigeria, nous les avons gagnés à la finale au stade Sulélé, où le Nigeria n'y a jamais perdu. Euh, ouais, mais t'es au courant que toute chose est faite pour changer Donc l'Algérie n'a jamais battu le Cameroun Ne l'oublie pas, Tommy Lapob Blida c'est pas Japoma C'est sur quelle chaîne vendredi L'équipe 21 C'était il y a 20 ans, vous aimez trop la nostalgie Et surtout le Nigeria ils étaient énormes, hein. énormes Ça s'est joué à rien, hein. ça s'est joué au tir au but hein, mon ami hein. N'oublie pas, le Nigeria a remporté le Cameroun a remporté les coupes 2000 et 2002 au tir au but. Chaque match. Cela ne nous regarde pas. Exactement. Ça, c'est euh, comme euh, les inconnus. Donc euh, voilà, ça c'est pour les matchs, les amis. Hein, les matchs de barrage. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme photo bah, C'est tout, hein. C'est tout, c'est tout. Donc nous espérons euh, une réussite. Hein. Je vais quand même vous remettre la liste, les amis, à l'image, si ça vous dérange pas. Je vous remets quand même la liste, les amis. Parce que elle fait quand même jaser cette liste. Hein. Finalement, vous n'êtes pas. Vous n'êtes euh... I don't euh, satisfy. Hein. Voilà. Là, on est bien, on est bien. On voit tout, on voit tout. Voilà, donc euh, donnez-moi votre avis sur la liste, les amis. Hein. On en a déjà parlé hier, euh, bien longtemps. Quel joueur ne devrait pas être dans la liste et quel joueur devrait y être Ça change pas grand-chose, hein. mais bon. Raïd, ouais, je comprends, je comprends pourquoi tu reçois des menaces à chaque. T'as oublié un mot avec le DZ, non Protection policière, Roya, oh yeah, je suis ma propre protection, t'inquiète pas pour moi. Voilà. Si un jour je vais au Haps, vous le saurez, hein, Pourquoi La liste nous semble étrange, mais Belmadi semble avoir réfléchi. Ouais, le, plus... le match le plus important est le match aller. Les deux matchs sont importants. Aller comme retour. T'as vu, apparemment, BeIN Sport a obtenu les droits pour les matchs zone Afrique. Je sais pas, j'ai vu cette information vite fait, mais j'ai pas l'impression que. Si on tient compte que le sportif, je suis pas satisfait à 100%, si on compte le non sportif et le sportif, je suis satisfait. Bah je pense qu'on a compris ton message. <laughs> Marez va jouer en 10. Il manque Brahimi. Où est Ounès Ounès est blessé, les amis. Pour toi, c'est quoi ton pronom Algérie Cameroun Je veux que l'Algérie se qualifie, c'est tout. Inch'Allah, j'espère je, que l'Algérie se qualifiera. Inch'Allah, l'Algérie se qualifiera. Bein ah, Sport Mena. Ah, Bein Sport Mena, ok, ok. On n'est pas concerné, teaser. Nous, c'est euh, on est en France, c'est euh, l'équipe. Euh, voilà. T'inquiète pas avec le DZ. T'inquiète pas, Hoya. T'inquiète pas pour moi, Hoya. J'ai peur que tellement marez est performant à City qu'on attende trop de lui. T'en penses quoi Faut pas attendre que de lui. Ce serait une énorme erreur. Moi, je fais confiance à Belmadi. Il connaît mieux les performances des joueurs que nous. Bien sûr. Je ne sais pas pourquoi vous, vous estimez le Cameroun alors que le Cameroun, c'est la meilleure équipe d'histoire en Afrique en a à la canne à qualification à la Coupe du Monde. Euh... Ouais. Je vois pas de quoi tu parles, mais c'est pas grave. C'est un travail de confiance en Belmadi Total. Ça se voit, il est très 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 bien bossé. Très bon mix de technique. Exactement, exactement, exactement. Après, je pense qu'il y a eu aussi des cas disciplinaires lors de la dernière canne, Diego. Je pense que c'est pour ça, peut-être aussi, que certains joueurs ont été euh, écartés. Peut-être, Allahu hein. Alam, mais peut-être, mais je pense. Parce que tu voyais dans leur tête que c'était pas la joie. Mais elle m'a dit trop nerveux à la conférence de presse. Pourquoi tu en parles pas J'en ai parlé. J'ai dit qu'il n'était pas euh, dans sa tête. Voilà. Parabellou, mais vite de spammer, s'il te plaît, c'est fatigant. Franchement, j et je vais pas répondre à ton message. Il est inutile. Hein. Désolé, frère. Depuis que tu fais un peu plus de vues, tu manques de respect à tout le monde. Allez, fous moi le canto aussi. Sincèrement, personne n'aimerait se retrouver à la place de Belmadi alors soyons sérieux. Exactement. Il faut faire confiance à un autre coach. Il sait ce qu'il fait. Exactement. Sincèrement. Ah, il faut qu'on soit objectif, bien évidemment. Moi aussi, ça me saoule avec le DZ. Arrêtez de parler des joueurs qui n'ont rien à voir avec l'Algérie, s'il vous plaît. C'est fatigant. Je vois ce que tu veux dire, par exemple, Ben moi, qui. Pointe l'attitude de David Moyes avec lui. Possible, peut-être d'autres, dont on ne sait. Parce que encore avec Ben peut-être que on, on l'a vu, toi, on a vu euh, la séquence avec Moyes Mais euh, peut-être d'autres joueurs, je pense. Hein. Après, nous, on a tendance, les amis, on a tendance à euh, trop surestimer certains joueurs algériens. Euh, faut qu'on arrête aussi. Hein. Faut qu'on arrête aussi. Le Cameroun, c'est la meilleure équipe africaine de l'histoire. Est-ce que tu connais le journaliste Rafik Wahid? Ouais, je connais. Ouais, je connais. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis choqué que certains Algériens de France veulent la peau de Belmadi, c'est abusé. Certains Algériens de France. Oh, non, non, Rouya. Ceux qui en veulent à Belmadis, c'est surtout euh, ceux qui veulent voir plus de joueurs euh, locaux, et malheureusement, euh, voilà. Je parle des locaux, genre des joueurs d'Algérie. Hein. Pas ceux qui sont expatriés euh, au Moyen-Orient ou en Tunisie. Hein. Le niveau est tout autre. Mais elle m'a dit, je le trouve dur avec les journalistes. Mais il vaut mieux, t'as vu les questions qu'il lui pose en plus Il a l'air frustré, ça fait peur, c'est tout. Mais c'est normal, la dernière Coupe d'Afrique, euh... bah, je sais pas. En tout cas, j'espère qu'après ces barrages, on aura des réponses. Tout simplement. Et c'est important, je pense. Le Cameroun, ils surestiment beaucoup en vantant leur passé glorieux. Bah, ben, on verra ce qui va se passer vendredi et mardi, euh, les amis. Ce qui m'inquiète un peu, je regarde par curiosité aucune conférence des Camerounais. On a lâché un peu d'infos, même si Belmadi, très rusé, a fait de l'intox. Ouais, mais tu sais que les Camerounais eux-mêmes euh, se sont plaints que Song ne fait pas de conférence. Belmadi est harcelé par les journalistes tout le temps. À la conférence de presse, Belmadi a 100% raison avec les journalistes de Pacoti, Mais il a raison. Moi, en tout cas, je suis d'accord avec Belmadi sur certaines choses. Il n'y a pas de souci. Après, n'oubliez pas, c'est une énorme pression qui est sur Belmadi. Il n'est pas forcément aidé par sa fédération. Vous savez, quand il a dit dans une conférence de presse, il a demandé à la fédération, aidez-nous. Les amis, c'est, je suis désolé, mais ça veut tout dire, hein. Qui tu voir prendre la succession? Je veux voir personne chez lui du 78, il reste. Belmadi reste, les joueurs dégagent. Si Belmadi part, c'est terminé pour l'équipe d'Algérie. Je trouve bizarre l'excès de confiance des Camerounais comme s'ils avaient eu des arrangements. Inch'Allah, alaykhir. c'est qui décide. Faut pas insulter, c'est du sport, on est des musulmans. Bien sûr. Les conférences de presse sont obligatoires pour un coach. Exactement. Exactement. Tu te mouilles pas pour dire. Tu dis qu on verra, tu peux dire. Non, mais je vais rien dire, Roya. Tu m'as déjà posé la question la dernière fois, je vais rien dire. C'est mon droit, j'ai pas envie de m'exprimer sur ça. Tout simplement. On attend que les barrages passent et on parlera. C'est pas le moment de parler de ça. Je vois pas l'intérêt. Ce match sera un match commando physique athl athlétique. Oui, oui, mais ce match-là sera un combat. Faut oublier le, le jeu. Ça va être compliqué. Donc voilà, faut lui montrer à Belmadi que le peuple soutient. Mais le il le sait que le peuple le soutient. à entendre certains journalistes commenter sur le plateau TV, on dirait qu'ils sont en guerre. À ce point À ce point Waouh Il se peut, mais c'est pas sûr que je serai au bled pour le match retour. Inch'Allah, je te le souhaite, Roya. Je te le souhaite. Inch'Allah, tu seras euh, sur place. Que penses-tu de et dans la liste Bellamri, euh, ok, mais Tarat, euh, je sais pas, je. Je reste perplexe. C'est quoi pour toi la défense de départ contre le Cameroun Oui, moi aussi je vois Benayada, Ben Sebaini, Mandi. J'aimerais voir tout bas, mais je sais qu'il ne le mettra pas. Il va mettre Ben Lamri. Je le sais très bien. Ben Lamry, ou alors Bedran, peut-être. Peut-être Bedran. Mais Mandi, il sera. Tu penses quoi, tout le monde rabâche, on ne les a jamais gagnés. Mais c'est ça le volet de l'histoire pour pronostiquer. faut voir, la dernière année, il n'y a pas photo. On est d'accord. Bon, de toute façon, nous, voilà, la dernière euh, canne, on s'est planté, c'est tout. Tout simplement. Maintenant, on va se reprendre, là, On le souhaite, en tout cas. un Japon, faut mettre le bus. Eh, hey, Walid, euh, on n'est pas là. Eh, hey, on n'est pas le balawi, hein. Oui, mais on parlera plus tard de ça, des z -dry. On parlera de ça plus tard. Parce que maintenant, maintenant, la liste, elle est faite, ça. ira. Là, on peut plus rien faire. On peut plus rien faire, c'est terminé. Maintenant la liste elle est là, il faut les soutenir, on est derrière eux et on souhaite la qualification, c'est tout. Mais bien sûr, mais il faut leur parler comme ça, ces journalistes. Déjà, on leur donne le nom de journaliste, c'est à manquer de respect au métier de journalisme. Et on est en Afrique, il a pas de jeu. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Le match qui se jouera dans l'avenir de Belmadi. Inch'Allah, on l'espère, on l'espère, la qualification. C'est quoi cette chaîne Tu poses une question. Mais non, mais Parabellum, tu viens parler de. Je sais pas. Parle, parle des joueurs algériens actuels, tout simplement. Faut faire le mur et jouer en contre. Non, non, il n'y a pas de mur. Faut pas faire le mur, ce serait une grosse erreur. Pour ceux qui disent qu'ils seront là au retour, vous le savez que tous les billets sont vendus à Bida. Il reste Marifa. Bah peut-être qu'ils l'ont. Boudou va faire du bien, Inch'Allah. Il va pas jouer le dernier match. Bah attends, et. Il va pas jouer le dernier match. Tant, euh assez de temps de jeu pour avoir du rythme tout en étant assez frais. Pourquoi pas Pourquoi On verra bien. Franchement, on verra bien, mais en tout cas, moi, tout ce que j'espère au-delà, c'est que peu importe que le mec joue 90 minutes ou une minute, le mec il s'arrache sur le terrain, il meurt sur le terrain. À part de Baud, les autres journalistes ont besoin de se recycler. On est tout à fait d'accord. Bonne nuit, Youssef. Bonne nuit. Repose-toi bien. Non, le but à l'extérieur, il est. Pourquoi tu lises pas mes messages, frère Mais je vais te dire Je viens de te dire. Il est dur avec eux parce que le niveau est plus bas que ces journalistes à deux balles. Exactement, exactement. Exactement. Que penses-tu de Slimani dans la liste? C'est tout à fait normal qu'il soit là. Tu montes pas ta tête, t'es en mode radio. Exactement. Oui, allô, bonsoir. On se retrouve aujourd'hui sur Russicada Radio. C'est choquant les propos tenus par certains Camonais en parlant de l'affaire et bosser, Ils veulent faire porter le chapeau au peuple algérien. Il y aura un climat bizarre, exactement. Personnellement, je fais confiance à Belmadi, il respecte ses choix. Il faut respecter. J'ai visionné comme la plupart des amoureux de la balle ronde, en général d'équination en particulier, la conférence de presse animée par le sélectionneur avant le départ des Verts. Tu l'as trouvé comment cette conférence Pour le stage de préparation de la double confrontation du Bar de la Coupe du Monde, ce qui m'a le plus frappé, la violence verbale du sélectionneur, le maître. Violence verbale. Tu as vu les billets pour aller au Bled sont à 900 euros. Non mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, ah, laisse tomber avec le DZ, laisse tomber. Ah, oui. Laisse Charles se qualifie et quand ils viendront jouer en Europe, tu iras les voir, c'est bon. Je sais pas con... pourquoi l'HTT n'est pas convoqué, il, a... il est titulaire. Il a sa place en titulaire. Ht, il a joué un match Yassine, je crois. Un ou deux matchs depuis euh, la Coupe d'Afrique. Un ou deux matchs. Atal sera en gros manque de rythme. Mais je... moi je comprends pas pourquoi il a été convoqué des infos sur l'arbitre. Bah c'est l'arbitre celui qui, qui nous a arbitré lors du match à Marrakech contre le Burkina et Belmadi ne voulait pas s'exprimer en conférence de presse sur ça. Il n'a pas voulu en parler. Inchallah fi Merci beaucoup Sabrina, exactement, bah, la mer du Nord, si se balader, ça me dérange pas. Genre aller à Etretat, c'est bien. Mais sinon non. Je pense que Belmadi est trop trop stressé, bah c'est normal. C'est normal. Le stress, attends, c'est une calife à la Coupe du Monde. C'est normal. Inch'Allah, et serait... MLK Play, je l'espère, je l'espère. On se qualifie et tu nous feras, enfin tu nous feras, tu me feras des hashes, parce que faire des hashes pour plus de 21 000 abonnés, ça va être compliqué. Des informations sur la pelouse, bah j'ai mis une vidéo dans l'onglet communauté, va vérifier. La vidéo date d'aujourd'hui. Sam, content de la liste, à part peut-être un ou deux joueurs, après j'ai confiance à Belmadi, l'alerte sera. Inch'Allah, on l'espère. Ouais, il est de la wilaya de Skikda Adem. Ouais, ouais, exactement. Conférence de presse. On était éliminé en 2018. Ouais, je le sais. Vraiment, Khalid, rassure les frères algériens, il n'y aura pas à faire et bosser, ni autre problème. Ici, on est content de voir un bon match de musulmans, je vous le jure. Non, mais Tommy, je, je n'en doute pas une seconde. Mais il y a des gens qui pensent comme ça, et tu le sais très bien. Regarde juste, tu te rappelles le journaliste, là? Si on peut appeler ça un journaliste. Tu sais qu'en parlant comme ça, il a pas respecté la, la, la famille des bossés. C'est pas normal. Hein. Hallucinant. Je vois le Cameroun nous presser haut dès le début du match. Faut pas oublier qu'ils sont obligés de faire un résultat à domicile. On aura, c'est sûr, des opportunités de score. Et Tommy Lapomme, n'oublie pas, il était très aimé bosser. Hein. Très aimé en Algérie, crois-moi. Très 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 aimé. Hein. Regarde juste les matchs qu'il a joué avec la JSK. Tous les joueurs l'aimaient, même les adversaires. Donc voilà, c'est. Ceux qui ont fait ça, j'espère qu'ils le paieront très cher. Et puis voilà, qui le paieront très cher que la. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Avec quelle formation Belmadi pourra débuter cette rencontre 5-3-2 ou 4-3-3? 4-3-3 ou 4-4-2? Après, je sais pas. Il peut nous surprendre, hein. Il peut nous surprendre et faire un 3, euh, un 3 5 2 c'est vrai? Ou un 3-4-3, je sais pas. Franchement, j'ai eu quelques personnes mettre des doutes sur Ben Cebaine. arrêter de regarder le foot vraiment. Parlez de Shetty à la place ben il Baini, les guide. <laughs> Diego, Diego. Oh, merde. Je te ferai un couscous, moi. Ah bon, Yacine, tu sais faire un couscous si, si, ça va, si tu ne m'envoies pas à l'hôpital, c'est bon. J'accepte. J'accepte. Par contre, moi, je peux vous faire tout ça manger. Il hein, n'y a pas de souci. Hein. Par contre, on scottise. Hein. <laughs> vous êtes trop nombreux. Vous êtes trop nombreux, les amis. Il s'est passé quoi avec Ebossé wow. Je t'invite à aller faire des recherches, mon frère. Wallah. Trop loin à expliquer. Je préfère que tu te fasses ta ton propre avis et ta. Voilà. Paix à son âme. c'est... Ah, euh, Ahmed Bouala, s'il te plaît, J'ai pas envie de rentrer dans ça. S'il te plaît. T'es pas trop stressé. Euh... Non, je tremblote, mais sinon ça va. <laughs> ça fait... Franchement, depuis le tirage au sort, je suis en mode stress. Exactement, souhaitons bonne chance à notre équipe nationale. Exactement, exactement. Attendez, je vais enlever euh, la photo. Allez hop. Et voilà. Ouh. Voilà. Prenez pas peur. Prenez pas peur. Prenez pas peur. Prenez pas peur. Tu sens la carotte Bonsoir Miku Miku. Bonsoir Miku Miku. Bonsoir. La liste me plaît bien. Je pense qu'ils feront un bon match. inchallah et on l'espère. Yo, Boubouzit, salam Alaikum. Salut. En vrai, on parle de la liste, mais t'as vu Il a dit quoi Elle m'a dit, et c'est réel. Comme il a dit, on n'a pas les mêmes infos. Donc, à partir de là. On n'a pas un regard légitime pour critiquer cet ingrat. Exactement, exactement, tout simplement. C'est pour ça que moi je me dis ces choix sont faits par rapport à certaines circonstances. Donc voilà. Imagine Zinou Ben Lamri mais à retourner en pleine lucarne. En vrai Khalid déclare pas, mais il aurait préféré Reda Babouche à la place de Hattal pour représenter ce qui devait le <laughs> <laughs> Dédicace arrêt dans ma bouche, hein, qui a joué euh, la, la troisième place de la Cannes 2010 face au Nigeria. Tu penses que les démons de la... Non, tout va bien, Alhamdoulilah, sauf Non, non, tout va bien. Moi, le seul arbitre qui m'inquiète, c'est bien celui de... Ah, le seul problème Ouais, c'est l'arbitre. En tous les cas, j'ai remarqué que les joueurs étaient moins présents sur les réseaux. Mais c'est bien, ils sont concentrés. J'espère que Belmadi va leur dire... Euh, voilà. Moi, une fois, j'étais allé Algérie-Tanzanie, à, Algérie, à Blida ils ont gagné 7-0. Ouais, c'était le match retour de, du tour préliminaire pour se pour aller en phase de groupe pour la Coupe du Monde 2018. Ouais, ouais. C'était juste après les attentats de, du 13 novembre. Pas besoin d'avoir des infos pour voir que Ben Amri est nul. Si on qualifie, j'achète son maillot. Moi aussi, moi aussi. Si on te dit, l'Algérie va au mondial, mais mort, pas passe précédent. Je signe, Diego. Diego, je signe. <laughs> Je signe, j'en ai rien à foutre. Et hey, tu sais, que ce soit lui ou un autre, euh, les autres c'est des hypocrites. Lui il le dit ouvertement. Il n'y a pas de différence, Roya. Il n'y a pas de différence. La mort de Ebossé, c'est une affaire entre un club et une famille. Et la femme qui a fait cette vidéo. Ouais. Que justice soit faite, Tommy, c'est tout ce que j'ai à dire. Que justice soit faite. Pour moi, parler de la liste n'a aucune importance. C'est la forme des joueurs, des matchs qui me préoccupent. On espère qu'elle sera optimale. Mais, non, il fait peur! Bien, bien sûr qu'il fait peur! Bien sûr qu'il fait peur! Il suffit de revoir les matchs et les actions. On regarde juste le, le match face à, à la Côte d'Ivoire en quart de finale de la Cannes. Enfin bref, c'est pas grave, c'est pas grave. On l'a, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. On l'a, c'est, n'hésitez pas à liker la famille. Il manque 29 likes pour les 200. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Comme ça, il y a du monde qui, ils vont venir ici sur le, sur le live Ça va faire plaisir Ben Amri baignait tout son frais Le championnat s'est arrêté plus tôt Ouais ils ont pu s'entraîner Mais ils ont pu s'entraîner avec euh, le staff technique Khalid right, faut pas laisser le Cameroun faire le jeu Si dans le chat il y en a qui pensent qu'il faut jouer à l'italienne On sait pas le faire Exactement on sait pas le faire Cette histoire fait de la mauvaise pub pour le championnat Khalid Qu'est-ce que tu veux que je te dise Ça c'est du problème local Local je rentre même pas dedans voilà. bas titulaire, Inch'Allah, je sais tout comme moi, c'est ce que tu veux et je sais. Mais moi, c'est ce que j'aimerais, mais il va pas le faire. Diego, c'est ce que j'espère. J'espère Touba m'en dit, mais il va pas le faire. Mais, Inch'Allah, je le souhaite. Mais tu sais que s'il fait un super gros match et qu'il claque un but et il nous qualifie, c'est le titulaire à la Coupe du Monde. On est d'accord. N'empêche que Ténès avait raison ce guet qui... <laughs> Ouais, il avait raison là. Il avait raison, c'est vrai. Ça va chauffer encore, c'est inévitable. Ouais, là, la situation encore, Corse, c'est chaud. Hein. Un Algérien, président Zemmour pour le premier président africain. <laughs> en plus, il a dit s'il est président, il va en, en Algérie direct. Hein. Il va en Algérie direct. Est-ce que la qualification de l'Algérie joue aussi sur l'avenir de la chaîne la chaîne, la chaîne, il euh, y, y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Moi, je vais commencer à parler. De base, j'ai fait cette chaîne pour le, le football en général. J'aime le football. C'est sûr que je vais m'ouvrir à d'autres communautés. De toute façon, les Algériens, quand il n'y a pas l'Algérie, ils sont pas réceptifs. Et on l'a vu là, dès l'élimination de la Cannes jusqu'à maintenant. Là, ça remonte parce que voilà, il y, y a le barrage. Pourquoi tu dis il va pas le faire, développe s'il te plaît. Bah tout simplement parce que je pense qu'il a peur de, pas qu'il a peur mais je... c'est mon avis. Hein. Je pense qu'il prendra pas le risque de mettre quelqu'un qui n'a pas beaucoup joué en équipe d'Algérie. Il a fait une entrée en jeu et un match titulaire. Je ne vois pas le faire jouer dans ce match-là aussi important. Après, peut-être entre les automatismes, entre Touba et Mandi. Après, peut-être qu'il y, qu y, qu y a des automatismes et on n'est pas au courant. Mais c'est juste par rapport à ça. Mais après, pourquoi pas. Après, peut-être parce qu'il est convaincu que Mandi Ben Namri, c'est la chardière centrale. Tu vois, c'est ça au fait. Pour gérer mon stress, je vais faire la cela et je vais bien la pétrir, crois-moi. Et je te promets qu'elle va être la meilleure. Eh ben écoute, j'attends avec plaisir. Jojo, t'as effacé un message, je l'ai pas vu. Tant mieux, si Zemmour soit président, comme ça, on rentre au bled et on esquive la guerre contre la Russie. J'habite dans une tour, ouais la tour de Babel. Journaliste algérien c'est niveau ardoise. Exactement. À quoi en 2014, Ben Amri? Ouais. Tu le sens frileux, genre, mais est-ce que c'est pas plus risqué de mettre à Ben Amri avec défaillance que tenter tout bas, dit? Je suis d'accord avec toi. Mais je te le dis, la défense. Là-bas, ce sera Benayada, Ben Sebaini, Ben Lamrimandi. Moi, tu sais, le plus important, la radim on se qualifie. Après, je, sais, je te dis la vérité, Diego. Même, même Touba, il joue pas là. Il sera titulaire à la Coupe du Monde si on se qualifie. Fais-moi confiance. Il sera titulaire. Euh, mais est-ce qu'il pourra faire appel à d'autres joueurs pour le match retour Du moins, si le règlement FIFA le permet. Mais tu veux qu'il ramène qui et non, Rouya ne nous laisse pas, on s'est habitué à toi, tes années, c'est une des rares chaînes, sérieuses. Non, mais le, le, le football algérien et africain restera en majorité, hein. c'est pas un souci, hein. C'est la marque de fabrique. Savez, tu sais que certaines personnes pensent que le retour en Algérie sera dangereux niveau sécurité pour le Camerounais en cas de défaite du Cameroun. Mais non, Jojo, mais non, mais qui a dit ça <laughs> Qui a dit ça <laughs> Qui a dit ça, Jojo Il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Par contre, tes supporters. Euh... Parce que Jojo il s'est passé des trucs au Cameroun hein, avec les supporters euh, Il n'y en avait pas beaucoup de supporters algériens mais il y a eu quelques problèmes hein. euh, J'espère que ça se passera bien au Cameroun hein. Je l'espère lorsque Lorsque le sage monte la lune Il pense au miel Bunja nul Mais faut pas parler de Non non mais non mais non Samir Mais non mais non je te bloque pendant cinq minutes Arrête de sortir des trucs comme ça Je suis en cas de défaite de l'Algérie, je voulais dire. Mais non, mais non, mais non, mais non. Genre le coup de pression, les trucs. Mais non. Tant que ça reste pression positive, Alice. Non, mais non, mais non. Salam frérot. Tu as vu, Belmadi en arrivant ce soir, il a la confiance. Crois-moi, ça va le faire. Inch'Allah, je l'espère. Si le Cameroun gagne chez nous, ils repartent pas vite. <laughs> tu sais, ils peuvent gagner chez nous et nous, on se qualifie. Hein. Ça voudra dire qu'on aura gagné chez eux. Avec un score conséquent. Question à 100 euros, c'est quoi? Je sais pas. Je sais pas si c'est un truc, euh, je sais pas. Le bus bloqué. Mais non, mais non, je joue. Mais non, mais non, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Il n'y a pas plus grande sécurité que l'Algérie, ne t'inquiète surtout pas au niveau africain. T'inquiète pas pour ça. Niveau sécurité, on est comme ça. À ce niveau-là, t'inquiète pas. D'ailleurs, surtout, tu t'as vu, il a des les pistes, il a dit, il peut aussi jouer à gauche ou piston. Ouais! Mais c'est. Il, il a répondu comme il le fallait, dit, C'est très très bien. Non, elle, elle est horrible, la blague. C'est pas une blague. Tu, je, honte à ta place. géon Tennessee, il leur a fait une heure blague. On va gagner Algérie, Inch'Allah. Inch'Allah, je l'espère. Mais en face, il y aura une grosse équipe, les amis. Abdallah DZ a sorti une nouvelle vidéo. Mais je la verrai tout à l'heure. On leur fera les tests Covid. Ah, mais tranquille, les amis. Moi, j'espère que l'aller-retour se passera dans les meilleures des conditions. Sur le terrain, en dehors du terrain, et que le meilleur se qualifie et représente l'Afrique comme il se doit à la Coupe du Monde. C'est tout ce que je demande. Ni plus, ni moins. C'est sûr que Mandy Touba qui va être en défense et c'est le duo parfait pour le haut niveau moderne défendeur. Ben, on verra bien les amis, on verra bien. On verra bien, Inch'Allah, pourquoi pas. Hein pourquoi pas, avec grand plaisir. Marez a dit, on s'en fout déjà on sent la détermination. Ouais, c est, c est, peu importe la pelouse, il faut jouer. <laughs> arrête Diego, arrête tes conneries. En Algérie aussi, on boissonne rouilla. Hein Moi, je veux voir Eto pleurer. Non. Les amis, souhaitons la calife de l'Algérie, c'est tout. Comme le Cameroun la, souhaitera la calife pour leur équipe nationale. Ni plus ni moins. Il n'y aura pas de Coupe du Monde en décembre. Ça va péter avant décembre. Bah, écoute, si ça pète avant décembre, qu'est-ce que je voulais que je vous dise hein Ce fut un plaisir, les amis. Hein en cas de guerre mondiale, les amis. Hein Ce fut un plaisir. Hein Ce fut un plaisir, les amis. Hein je pense quoi de la liste C'est une liste physique. Au profil physique. Voilà. Dommage, il n'y a pas Brahimi et peut-être Tugay en défense. Et au milieu peut-être à Ben Taleb, sinon c'est bon. Tu penses qui va se qualifier en Coupe du Monde dans les quatre autres Je sais pas. Moi je veux juste l'Algérie se qualifier, le reste. Tu as vu la vidéo des gens de quartier demandent à une femme pour 100 euros je... <laughs> je pense aussi. Je pense aussi. Sur le slogan la calife à la place des canifs. Place des canifs. J'ai l'impression qu'il y a un embrouille, du moins un franc de Belaïl et Marès. Je peux le prouver. Moi j'ai entendu entre Marais et Bounja. Je sais pas. Car certains pseudo journalistes camerounais sont en train de remettre le spectre Débossé et de plus ils parlent de la complicité des policiers et supporters. Oh là 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 là. Non mais là ça y est, hein. ça y est. Malheureusement Jojo c'est toujours les minorités qui font du bruit. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Qu'est-ce que tu veux que je te dise Non mais ces gens-là ils respectent pas euh, la famille Débossé, hein. ils le respectent pas. Moi j'ai qu'une personne en train de la gorge, elle s'appelle Roger là il nous a confondu avec d'autres. Non mais tranquille, on s'en fout de lui. Hein. On s'en fout de lui. Hein. Même les Camerounais, ils lui ont dit mais t'es sérieux. quoi. J'espère que si l'Algérie gagne, il faut pas faire n'importe quoi. Il faut respecter les amis de le pays dans lequel vous vivez. Arrêtez de faire les cassos dehors. Bordelarade, m'arrête avec ça. Bah, Bunjab ne font qu'un, n'oublie pas. Exactement. Bah voilà. Bah tu vois. T'as dit ça et j'ai dit ça. Ouais, bah, on, on, on s'est compris, on s'est compris. Je l'ai vu avec le DZ. Ah oh non, je l'ai pas vu. Qu'est-ce que je raconte voilà. Je l'ai pas vu. Mais voilà. Je pense qu'une partie du vestiaire ne considère pas Marès comme algérien dans ce comportement et autant. Pourtant, euh, il disait qu'à la Cannes 2019, tout se passait bien. Moi, je sais pas, je sais pas ce qui se passe. Moi, la vérité, j'ai pas envie de lancer ces rumeurs. Pour moi, euh, on doit être tout derrière l'équipe. Après le barrage, les amis, on parlera. On parlera sans problème de tout ça. T'as vu, le journaliste français, il a dit tout à l'heure, ça a être nourri, qui a refusé la France Espoir, mais seul l'avenir nous le dira ce qu'il va faire. Il fait ce qu'il veut. Hein. Il fait ce qu'il veut. Belaïli est pas top, franchement, depuis un moment. On est d'accord. Ne sous-estimez pas le Cameroun et restez humble. Ah, mais on sous-estime personne. On sous-estime personne. Je suis le premier à condamner le racisme quand il vient de notre côté, mais dans cette canne, il y a un racisme anti-maghrébin, il faut le dire. Il y a un racisme anti-maghrébin, bien évidemment. Je suis sur tous les réseaux, on l'a. C'est possible, Diego. On c'est possible. Mais ce que je te... Là, la, la seule chose que je te dis, c'est on essaie de soutenir l'équipe en tant que supporter. On aime notre pays. On est algérien dans le sang. Dès que les barrages passeront, peu importe ce qui se passera, calife hein, ou pas calife, à l'attaque Ruya. Il n'y a aucun problème. Mais je pense qu'avant, soyons attendons. J'ai compris euh, Splashwave, mais j'ai compris que tu parlais euh, aujourd'hui chat. J'avais compris. Marès pas hautain, je le connais. Non, je pense pas que Marès soit hautain, les amis. Je pense pas, je pense pas, je pense pas, il est, il est... je pense pas. Après je suis tous les jours sur les réseaux. Le jour de la Nive à Belaïli, ma reste ne lui a pas souhaité. Tu me diras, on s'en fout, certes, mais quand c'est? Ah, ça, je sais pas. Je sais pas, euh, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Moi, regardez mon anniversaire. Peu de personnes l'ont souhaité, hein <laughs> Non, je rigole. Khalid, il y a, a terrestre de l'Algérie sur la Freebox. Normalement, il passe. Mais il n'y a pas la chaîne terrestre sur la Freebox. Il n'y a pas la chaîne terrestre. Le mec qui construit des, co des, des mosquées. Ouais, bah c'est. Non, c'est une bonne chose, c'est bien. tu ouais, t'as compris dans quel sens j'ai dit ça Non, mais j'ai compris, mais juste évite Juste certaines paroles, Rouya. Hein. Bonne fête en retard. Oh, bah, garde ton bonne fête en retard. Attends le prochain plutôt, parce qu'on <laughs> est plus proche du prochain que. <laughs> J'espère qu'on va se qualifier parce que les joueurs algériens sur les réseaux sociaux, c'est du grand n'importe quoi. Mais là, ça s'est un peu calmé, euh, des DZ. Hein. Ça s'est un peu calmé. Peut-être qu'il y a eu un discours. Ça s'est un peu calmé. Mon anniversaire, c'est le 7 mars. Eh ben, bon anniversaire en retard. Toi, on peut te le dire. C'est pas un secret que Marez il a du mal footballistiquement avec bounja Mais l'homme, je pense pas qu'il a des problèmes. Oui, on parle footballistique. Food, footballistique. Putain, je sais plus parler. Ouais, ce que t'as dit, quoi. Au niveau foot. Quand Marez finance pour une moscate, l'EM7, personne n'en parle. Non Des amis. Non, 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 dis pas ça, Diego. Non, c'est pas bien. Je souhaite pas du malheur pour toi, Rouya. Non, non, non. Non, Rabbi ma'ek, mon frère. Jamais, jamais. Après, Diego, après, c'est son choix de vie, Rouya. Tu veux qu'on fasse quoi maintenant Le plus important, c'est qu'il soit bon sur le terrain. C'est ce que je demande. Après, pour les gens qui le suivent, après, pour le Wahadi, il le C'est. Après, c'est vrai que quand tu as une certaine image, il faut donner un certain exemple de vie. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, le plus important, c'est qu'il soit bon sur le terrain. Le champion d'Afrique est déjà à Marrakech. Et le peuple sénégalais vous salue. Salutations au peuple sénégalais Bonne chance dans ce gros match, une revanche pour l'Egypte face à vous. Bonne chance. Tu pourras faire un sondage la veille du match pour notre compo. Oui, uh, mais j'en fais tous les. À la base, j'en fais tous les jours. Bon, ce soir, j'en ferai pas, mais j'en ferai demain, matchs. Si l'Algérie passe pas... Tu commentes la communion Ouais, je la commente quand même. Mais je serais dégoûté grave. Je serais grave dégoûté, les amis. T'as vu, Belmadi pense à Gabriel Rattal pour remplacer... Elle est nulle. Putain, ça, on me l'a jamais sorti. Mais je me disais, c'est bizarre. Personne n'a sorti. Il y a que toi qui pouvais la sortir. Après, euh... Diego, peut-être il lui a souhaité au téléphone. Hein. Il a pas besoin de le montrer devant tout le monde. Peut-être il l'a appelé. Hein. Je sais pas. Hein. C'est officiel le Cameroun perd deux joueurs sur blessure. Bah, je sais pas. Jojo, euh, le joueur des Etats-Unis, c'est qui exactement J'ai oublié. Tu vois quel compo contre le Cameroun au match aller 4-3-3 ou 4-4-2. Même si notre meilleur joueur, le footballeur, c'est un grand joueur artiste, tout ce qu'on veut, mais. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Diego Roya. Il est libre, il est libre, il est libre. Plus important, il est bon sur le terrain en équipe d'Algérie, après. Moi, les joueurs en dehors du foot, je ne les suis pas, ça m'intéresse pas. Leur vie ne m'intéresse pas, la vérité, moi, je veux qu'on se qualifie, c'est tout. C'est pour le drapeau, mon frère. Pour moi, Marès n'est pas un vrai musulman. Les amis, on ne va pas rentrer dans les jugements maintenant, point-là. Comment au téléphone tu t'affiches avec tous les <laughs> Non, dis pas ça, non, je masque le message. Non, pas d <laughs> Voilà, je t'imagine en train d'écrire comme ça, tac tac tac. Non, non, dis pas ça, rouillard. Dis pas ça, non, 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 non. Non, non, pas le non, non, non. Donc voilà, ah, ouais, c'est pas midi des affaires religieuses. Ouais. Ouais, c'est sûr les amis, c'est sûr. Voilà, voilou, les amis. Bah ben écoutez, c'est la fin du live. On se retrouve demain, inchallah, On sera là demain plus tôt et on va faire un gros live, les amis. Je le sais, Diego. Rouya. Oh je le sais. Je suis d'accord avec toi, Rouya. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis d'accord. Hein. Tu, tu le sais très bien, de toute façon. Tu le sais très bien. Les amis, on se retrouve demain. Demain, on essaiera de faire plus tôt, mais sinon 22h, c'est très bien. C'est très bien, 22h. Voilà. Vous êtes la meilleure des communautés, la famille. Je vous dis à demain, inchallah Et vive l'Algérie, la famille.